Bonsoir à tous, bienvenue. C'est une plongée passionnante au cœur de l'histoire et de la littérature que je vous propose aujourd'hui. Dans un instant, nous allons revenir avec Emmanuel de Varesquel sur l'une des énigmes les plus opaques de la Révolution française, le procès de la reine Marie-Antoinette, le procès suivi de son exécution le 16 octobre 1793. Nous revivrons la folie de la Première Guerre mondiale à travers les obsessions. De Jacques Tardy, le grand dessinateur, qui nous ouvrira, Jacques Tardy, euh, les portes de son atelier, mais aussi euh, avec Antoine Roux, auteur de théâtre, romancier. Et puis, je vous présenterai un bien étrange animal, un lion, mais alors un lion dont le destin est révolutionnaire et surtout raconté par Stéphane Audegui. Mais pour commencer cette émission, voici mes deux premiers invités. Ce sont de remarquables écrivains. Euh, ils se connaissent bien, ils ont énormément de points en commun, et notamment dans leurs deux derniers ouvrages. Bonsoir, Elisabeth Badinter. – Bonsoir. – Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bonsoir, Pascal Quignard. – Bonsoir. Bonsoir. – Plaisir de vous retrouver. Et j'ai eu envie de vous rassembler, de vous réunir, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai adoré vos livres respectifs, « Le pouvoir au féminin », bien sûr. Mais le pouvoir au féminin raconté sans la langue, Pascal Quignard, la langue française, qui permet justement d'aller si loin dans la précision, euh, dans l'anticipation de ce qu'est la vie aujourd'hui, alors là, qu'est-ce que ce serait euh, Pourquoi l'histoire, d'ailleurs, fascine-t-elle autant un historien, un romancier Pour quelles raisons sommes-nous aujourd'hui euh, toujours aussi obsédés par l'histoire Est-ce que nous avons perdu la mémoire Elisabeth Badinter Je pense qu'on est en train de la perdre, la mémoire. Mais en revanche, pour beaucoup d'entre nous, ceux qui ont peut-être dépassé 35 ans, on a un grand besoin, un grand désir de connaître les origines. Les origines d'où on vient. Et on a le sentiment souvent qu'on inaugure des choses. Mmh. Et en vérité, elles ont été déjà vécues, créées, bien avant nous. Pascal Quignard, c'est ça aussi qui fait que dans votre série Dernier Royaume, mais aussi dans vos romans, depuis les salons du Württemberg jusqu'à aujourd'hui, vous allez plonger dans nos racines, exhumer les personnages oubliés de l'histoire Oui, il y a le fait de défendre des personnages oubliés ou des périodes oubliées. Mais en plus de l'origine, il y a la contingence de l'origine. Ça, ça me fascine beaucoup. Combien c'est simple, ridicule, modeste la naissance de tout est une chose. La naissance d'une viole de gambe dans, dans mmh. tous les matins du monde, la naissance du français dans, au bord au d'une bord rivière. Euh, les choses, on, on sait de toute façon très précises et ça, ça m'éblouit ça comme des petits. Euh, anecdotes de conte, si vous voulez, un mmh. petit chaperon rouge. Est-ce que le, le rôle des hommes et le rôle des femmes est le même quand on parle de la transmission de l'histoire, de l'écriture de l'histoire, Elisabeth Badinter vous souriez quand je vous pose cette oui, question. Oui, je souris parce que je, je, mon premier réflexe, c'est de répondre non. Et en, et en deuxième lecture, je dirais oui. Nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts. Et nul doute que, en ce qui me concerne et qui, et qui concerne beaucoup de femmes, il y a un grand désir de rendre aux femmes du passé euh, l'épaisseur, l'intérêt, euh, l'importance de ce qu'elles ont été ou de ce qu'elles ont fait et qui, ont été, qui a été complètement oubliée. Et moi, j'ai un, un plaisir immense à, à remettre le projecteur mmh. sur des personnes ou des personnages euh, qui sont complètement euh, occultés aujourd'hui. Mais certains hommes, je certains historiens que... peuvent le faire. Tout à l'heure, oui, on aura sûr, Emmanuel est... de Varesquiel qui s'intéresse à Marie-Antoinette. Pascal, Quignard, votre œuvre est remplie hein, de femmes, femmes oui, puissantes. Oui, oui. Moi, sans Elisabeth Badinter, je n'aurais jamais su qui était Marie-Thérèse d'Autriche. Je ouais. connaissais ce nom sans rien savoir de son existence. Mais vous n'auriez pas eu particulièrement envie de la connaître, tandis que moi j'avais très envie de la connaître. Est-ce que le romancier a besoin d'abord du travail de l'historien ou de l'historienne, ou est-ce que le romancier s'affranchit de tout Quand vous racontez, quand vous prenez un personnage historique, avez-vous besoin de faire une recherche ou laissez-vous votre imagination et la langue qui en découle raconter sa vie ah, c'est très simple, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai besoin d'un petit noyau très, très vrai, historique, absolument sûr, pour pouvoir l'entourer de plein de petites histoires et de petites fictions latérales. J'ai besoin de savoir quand a été inventé la viole de gambe, ou j'ai besoin de savoir quand a inventé la manière noire, quand a été inventé le français, très précisément, pour me permettre de mettre à côté des pêcheurs, des, des oiseleurs, des, des, des chamans. Vous voyez, j'ai besoin de quelque chose de très vrai pour avoir du très faux. L'historienne, elle, elle, elle traque le faux Ou est-ce qu'elle l'admet, euh, oui. Elisabeth Badinter, dans le, dans le métier d'historien est Jusqu'où est-ce qu'on euh, accepte les petites fictions dont parle Pascal Quignard Impossible. Impossible. Pour moi, impossible. Tout doit être vérifié. Euh, j'ai besoin des textes originaux, j'ai besoin des archives. Impossible d'introduire dans un livre, tel que je conçois moi mmh. l'histoire, quelque chose qui n'est pas vérifié. Mais pour autant, êtes-vous lectrice de romans et de fiction Ah oui, oui, je suis lectrice de romans et de fiction, mais j'ai plus de mal avec les romans historiques. Ah, alors on en parlera tout à l'heure avec notamment Antoine Roux et puis avec Stéphane guy Alors je voudrais qu'on commence, Elisabeth Badinter, avec vous. Vous êtes, on le sait, philosophe, spécialiste du siècle des Lumières. On vous doit les trois très beaux volumes des Passions intellectuelles, des Biographies, de Condorcet, de Madame du Châtelet, de Madame d'Épinay, ces femmes qui ont tant fait pour les hommes. Et puis aussi des livres très engagés. Hein. Rappelez-vous, L'amour en plus, XY sur l'identité masculine, ou encore Le conflit, la femme et la mère, autant de livres qui vous ont acquis un public large, très large. Voici maintenant le portrait d'une femme extraordinaire que vous dressez dans ce livre intitulé Le pouvoir au féminin. Femme extraordinaire, Elisabeth Badinter, enfin j'ai envie de dire surtout femme totalement méconnue, méconnue du grand public, même connue, méconnue aussi peut-être des historiens, car on connaît sa fille, Marie-Antoinette. L'épouse de Louis XVI guillotinée par la Révolution, on en parlera tout à l'heure. Mais on a oublié la mère, Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Thérèse de Habsbourg, c'est important. Cette femme, par ailleurs très belle, écrivez-vous, a dû gérer trois vies. Épouse d'un mari adoré, mais volage. Mère de 16 enfants et souveraine d'un immense empire, le plus grand empire du XVIIIe siècle. Souveraine absolue, c'est elle qui décide de tout et veut décider de tout. Comment, très simple, comment une jeune femme de 23 ans. Qui est décrite comme étant très belle, qui aime bien la compagnie euh, des compagnes, des jeunes femmes, et puis aussi danser, et puis aussi s'amuser. Comment se transforme-t-elle en souveraine absolue, en impératrice Alors, je pense que au départ, elle est très modeste, elle veut apprendre, elle veut écouter, elle garde des ministres incapables de son père parce qu'elle ne sait pas, elle dit je vais commencer avec eux, et elle apprend très vite. Et je pense que le goût du pouvoir s'est emparé d'elle très vite aussi. Et elle commence sa vie de souveraine absolue dans une épreuve inouïe. Et l'épreuve est la suivante. Euh, elle, son père meurt, elle est donc euh, décrétée euh, reine de Hongrie et de Bohème, de Bohème et de Hongrie. Et elle... Roi même, écrivez-vous, Pardonnez-moi, je ne vais pas vous reprendre, roi. mais voilà. Et elle se dit reine, quand elle parle d'elle-même. Ça on en parle... dit quand même énormément, on parlera de la langue avec Pascal Kingard, ça quand dit quand même énormément sur la misogynie ah oui, de l'époque. Ah oui, considérable. Elle n'a pas le droit d'être reine, elle, elle, elle est a, roi exactement. de Hongrie. Il faut être un homme pour, pour, pour être à la tête de la Hongrie, mais bon, on lui donne le, le titre de roi. Et alors, elle se trouve dans une épreuve incroyable, c'est-à-dire à peine arrivée au pouvoir, elle trouve un pays en miettes, une armée décimée, mmh. pas un sou dans les caisses, et son, son grand rival, le redoutable, le redoutable Frédéric II, euh, qui veut s'agrandir, qui se dit son ami, qui commence par lui écrire des lettres en disant je ferai tout pour vous, je vous reconnais, etc., en douce, prépare euh, d'envahir son pays, envahir l'Autriche, un, un des, des États héréditaires de l'Autriche. Et donc, voilà l'armée les, les de Frédéric II qui arrive dans, dans ces terres. Elle ne sait rien, elle ne connaît rien à l'affaire militaire et elle se rend compte que très vite, Frédéric qui est un homme, bon c'est pas le sujet, mais enfin c'est un homme inouï ce Frédéric. Bah – Ben oui, l'ami des philosophes, celui oui, mais enfin, qui héberge qui, Voltaire. – L'intelligence d'une stratégie à douze coups, alors qu'elle, la stratégie, elle ne sait pas ce que c'est. Et, et, et qui en, en même temps a convaincu euh, à peu près toute l'Europe de, de l'aider à, à prendre tout ce qui est, tout ce qui est sien, c'est-à-dire ses territoires à elle, ses territoires héréditaires. Et la voilà seule contre quasiment toute l'Europe, et c'est la guerre de succession d'Autriche, et elle fait face. Et vous dites d'ailleurs, vous l'écrivez, le fait qu'elle soit femme fait un peu ricaner dans les cours européennes et convainc Frédéric II de récupérer la Silésie, parce que c'est une femme qui règne et on va très facilement qui pouvoir s'en débarrasser et la vaincre. Dont on sait qu'elle est sans expérience, euh, on connaît l'état de l'Autriche laissé par son père. Une femme, c'est pas sérieux. C'est pas solide. On est en est 1740. Hein. On est en 1740, exactement. Et, et au fond, toute l'Europe se dit il y a peut-être un petit bout à tirer du, de l'Empire autrichien. Et, et voilà, ça commence comme ça. Et seule, contre tous, contre ces ministres euh, qui veulent faire la paix avec Frédéric et aller, on va lui laisser le territoire qu'il demande, euh, contre son propre mari même, euh, elle va dire non, je résiste. Alors, ça, c'est vrai que quand on le raconte comme ça, on se dit c'est une héroïne de roman, Pascal, qui oui tant qu'elle est très belle, en plus, au début. Au début, c'est ce qui vous a marqué oh Non, tout, tout, <laughs> non, j'ai tout, tout ma plus, non, mais en plus, elle est d'ailleurs, comment dire, méprisée parce que trop belle. Elle, est, au début, elle au début, est pas... Au début. Oui, c'est ça, on ne la prend pas au sérieux. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui encore qu'on ne prend pas au sérieux en fonction de leur physique. Raison peut-être pour laquelle les, les femmes politiques d'aujourd'hui ont tendance à se désexualiser. Elles n'affichent pas leur féminité. Regardez Mme Merkel, Mme Clinton, etc. Alors, Marie-Thérèse, c'est tout le contraire. Elle va utiliser au maximum mmh. les armes de la féminité. Au point que, chose impensable aujourd'hui, quand elle veut convaincre les Hongrois qu'elle sera une bonne souveraine et qu'on lui donne la couronne, elle a un discours qui, qui est très émouvant et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Aujourd'hui, une femme qui pleurerait à la fin d'un discours, pas possible, mais on considérait que les larmes aussi appartenaient aux femmes, que c'était pas indécent qu'elles pleurent, et du coup, elle a fait pleurer les hommes aussi. Mais elle a utilisé tout ce qui est, je dirais, typiquement féminin, même selon les stéréotypes. Elle a utilisé son charme, elle a utilisé sa grâce, elle a utilisé son corps, sa façon de se comporter, elle a utilisé toutes les armes traditionnelles de la féminité et, et, et aussi réelles, l'émotion. Et en même temps, c'était une femme très virile. C'est-à-dire que je pense qu'elle a et, et la maternité. On va peut-être en parler. Mais oui. est elle se incroyable. dira la mère de elle, la patrie. Elle, elle s'est construit le personnage. De mère de la patrie, ce qui était l'élément le plus convaincant de la communication avant ah, l'heure. Vous venez de lâcher le mot, Elisabeth Badinter. C'est vrai qu'en lisant votre livre, on se dit mais elle nous parle du XVIIIe siècle ou elle nous parle d'aujourd'hui, première chose. Deuxièmement, on se dit mais Elisabeth Badinter, vous êtes en train de nous raconter, au-delà de la biographie de cette femme méconnue, la construction du corps politique de la femme, la communication politique, quand il s'agit euh, d'utiliser les larmes, euh, le sourire. Je voudrais que vous nous racontiez comment vous avez travaillé, car on s'aperçoit ce que l'on peut faire de la rumeur quand on fait autre chose que de la mauvaise télévision. La rumeur, c'est celle des ambassadeurs, et vous citez ces ambassadeurs qui sont reçus, qui au début du règne voient une jolie fille, donc se disent elle est absolument incapable de tout, et puis peu à peu se rendent compte qu'on a affaire peut-être à la plus grande souveraine. Exactement, alors ça c'est les trésors euh, des archives diplomatiques qui euh, renferme tous les comptes rendus des ambassadeurs de France dans tous les pays d'ailleurs, donc en Autriche évidemment. Et ces ambassadeurs racontent au jour le jour, à peu près, ce qui se passe à la cour de Vienne, comment ils voient euh, Marie-Thérèse, qu'est-ce qu'on en dit, les ragots. Ils ont des espions au plus près. Euh, tout le monde avait des espions. Hein, Frédéric était le roi. Euh, il, avait, il savait tout quasiment avant qu'on l'ait dit. Et, et, c'est inouï de voir ce qu'on peut récolter dans les archives diplomatiques d'enseignement. De, alors quand ça se recoupe, c'est presque assuré. Il euh, y a des ambassadeurs qui sont des crétins. Euh, L'ambassadeur de France, France notamment, dites-vous. Ah, oui, L'ambassadeur de France qui n'a rien ouais. compris à rien et qui pense qu'en en envoyant cette jeune femme, euh... elle va laisser le pouvoir à son mari adoré, etc. Enfin bon, toutes sortes de choses qui n'étaient pas vraies. Et je pense que... On ne s'est pas suffisamment servi, à mon sens, des archives diplomatiques aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe à l'étranger. Quelle est la part dans ces archives du ragot Quelle est la part également de l'aveuglement de certains ambassadeurs On sait que certaines charges étaient exercées de manière héréditaire, pas par les plus malins. Euh, Jusqu'où est-ce que c'est une source fiable pour décrire la personnalité de Marie-Thérèse ou de tout autre souverain Moi, j'ai pris mes précautions. Je, je, je dis dès, tout de suite, bon. Euh, ça ne peut être qu'une rumeur, ça peut être oui. un ragot, mais je le dis quand même. Et de ce fait, on, on, on a quand même accès à une sorte d'intimité. Pensez que la souveraine absolue de l'Autriche a des espions quasiment dans sa chambre. Donc ce sont des gens très haut placés qui sont payés très cher par les, les, les diplomates étrangers pour raconter les conversations. Et donc on a des conversations entre elle et son mari. Qu'on n'avait jamais évoqué avant, parce qu'il y a une dame de compagnie, euh, ou bien qui regarde par la serrure et qui écoute, ou bien qui est dans la pièce. Donc, euh, c'est tout à fait fascinant. Je faut ajouter à ce que dit, euh, euh, qu'elle parle. Euh, Marie-Thérèse écrit un beau, un beau français. Ah, elle écrit en oui. français oui, oui, mais il est beau, il est beau. Quand son mari meurt et qu'elle dit le soleil s'est éteint, etc. Ter... Il y a des très belles choses. Dans ce... Alors en plus, ça ajoute un, un, une, une beauté littéraire à ses ragots et à ses confidences. Elle a un petit côté héroïne de Corneille, hein, quand elle dit à un moment Quoique femme, le courage ne me manque pas. Je ouais, me demande si on est chez Racine, dans Polieuct ou Andromaque. Mais enfin, il y a quelque chose est de magnifique. très. L'héritage du cachet. une scène tellement importante pour elle, puisqu'elle doit séduire la diète hongroise où elle. Et, et, et qu'elle les appelle au secours en disant J'ai besoin des, des magyars, des, des, de vos soldats. Ils étaient très réticents à envoyer leurs soldats à défendre l'Empire. Et, et elle a ce discours où elle se sert au maximum de sa féminité et où elle suscite une émotion formidable. Et n'oubliez pas que son mari ah. disait d'elle C'est la plus grande actrice d'Europe. Alors là, on Et met le doigt sur un personnage tout de même. Je me demande en quelle mesure il est vrai, parce qu'il y a tout du personnage de roman dont on a besoin pour rendre euh, le personnage principal un petit peu plus sympathique encore. On a bien compris, Elisabeth Badinter, que c'était la question de l'émancipation de, des femmes qui se trouvait là dans l'idée de l'arrivée au pouvoir de Marie-Thérèse. Mais ce n'est pas seulement une femme de pouvoir. C'est pas Catherine de Médicis ou alors la Reine Vierge. C'est une femme amoureuse. Prêt. Et amoureuse, écrivez-vous, d'un crétin. Je dis pas un crétin, je me serais pas non. permis. Enfin, euh, non. Enfin, alors attendez, vous, vous, voulez, vous voulez vraiment qu'on dise ce que vous écrivez Oui, oui, je vous en prie. Ah bah ben allons-y. C'est un joli jeune homme aux yeux bleus et à l'allure sportive. Jusque là tout va bien. Volubile, direct, à l'aise dans le monde. C'est un bon danseur, un bon épéiste, un chasseur particulièrement doué. En revanche, commence. C'est un élève dissipé dont le niveau est quasiment nul. Il sait à peine lire. Annonce à haute voix. Ne connaît que l'écriture phonétique si bien qu'il faut lire ses lettres à voix haute pour les déchiffrer. L'histoire et le droit qu'on lui enseigne, à la demande de l'empereur, l'ennuie à mourir. Inattentif à l'extrême, il apprend peu et décourage ses maîtres. Voilà le portrait de l'empereur. C'est le portrait, non, non, c'est le portrait <laughs> du grand. C'est pas encore l'empereur. Oui. Et il faut lui reconnaître que le temps passant, euh, il, il, est, il, il se civilise euh, et il devient un homme plutôt sympathique. Attentif aux autres et en retrait du pouvoir. Il a pensé à un moment que c'était lui qui allait gouverner et il était euh, assez vaniteux et assez, euh, comment dirais-je, détestable. Et, et détesté, hein, parce que vous dites détest... très impopulaire ah oui, très aussi. détesté, parce qu'il ouais. était lorrain, qu'il n'était pas un prince, enfin peu importe. Et donc, euh, il est... en vieillissant, il, il s'est bonifié et c'est toujours pareil. Quand vous ne n'aspirez plus au pouvoir, vous devenez sympathique. Mais quand vous vous, vous vous accrochez pour avoir le pouvoir, voilà. vous n'êtes pas très sympa. – À bon entendeur, c'est noté. Euh, je voudrais qu'on revienne sur l'amoureuse, parce que vous racontez aussi le destin d'une femme qui a envie de cumuler les trois fonctions. Elle est mère de 16 enfants, c'est pas rien. Elle est impératrice, et on vous l'avez très bien expliqué, euh, et, et c'est elle seule qui va gouverner, mais elle veut être aussi l'épouse, l'amante. Pour la première fois, il dorment dans le lit conjugal, écrivez-vous, ça ne se faisait pas à l'époque Non, ça ne se faisait pas. Est-ce que l'on peut dire, parce qu'elle était aussi une femme un peu jalouse, a-t-elle parfois laissé la jalousie de l'épouse ou de la maîtresse prendre le pas sur la politique de la souveraine Certainement, ce n'est pas le plus beau côté de Marie-Thérèse. Elle était très jalouse, il faut dire qu'il la trompait énormément, et encore, je suis restée discrète sur ce, sur ce chapitre. Euh, il l'a beaucoup trompée. Elle était très jalouse, mais maladivement jalouse. Et ça a été euh, très très loin puisque euh, dix ans après qu'elle ait pris le pouvoir, enfin sept huit ans après le pouvoir, elle a quand même créé une commission de ouais. la vertu qui est une abomination. Et, et en lisant euh, les textes de cette commission, j'avais le sentiment pas loin qu'on était chez les talibans. C'est-à-dire il y avait une surveillance de la sexualité des Viennois. Un super Portable, qui faisait d'ailleurs hurler les étrangers, voire Casanova, qui oui. trouvait que c'était insupportable, mais beaucoup d'autres. Et donc, euh, on investissait les lieux privés pour voir s'il si n'y avait pas une sexualité euh, amorale. Enfin, c'était absolument épouvantable. Je pense que. Sa jalousie n'y a pas été tout à fait pour rien. Ça, c'est le passage... Ça fait une mauvaise de... passage. Oui, c'est ça. Que... Alors, vous l'expliquez aussi sans chercher à lui tresser une légende dorée, mais c'est sa légende noire, c'est-à-dire qu'on est à, qu est est à la légende. fin du règne, euh, elle a perdu l'homme de sa vie, il est mort, euh, ses enfants, vous insistez beaucoup sur le chagrin, c'est-à-dire sur le côté mère. On peut être une femme de pouvoir, on n'en est pas moins mère. Alors Sur 16 enfants, combien 16, Elle a donc 16 enfants. Elle en a élevé jusqu'à l'âge à peu près adulte, ou enfin fin d'adolescence, 13 mais ce qui est extraordinaire chez cette femme, parce qu'elle est la seule en son genre à, à, à avoir voulu cumuler les trois comme les femmes d'aujourd'hui. Vous, vous voulez dire, pardonnez-moi, que les autres femmes, par exemple Catherine euh, II, la grande deux, Catherine elle a un... eu deux enfants, il lui restait un fils qu'elle a détesté. Victoria, la reine Victoria. Non, mais la reine, reine Victoria n'est pas une souveraine absolue. Oui, Tandis que vrai. Catherine II mais... et, 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 Ther... et Marie-Thérèse sont des souveraines absolues, comme des. Comme les rois, comme Frédéric, comme Louis XV, elle a ça et elle va être. C'est ce qui m'a intéressé, c'était de savoir est-ce que c'est si différent euh, quand on est une femme d'exercer le pouvoir. Alors moi, je pense que elle a exercé le pouvoir comme un homme. Elle a eu la même, les, les, les mêmes euh, dilemmes, les mêmes la même force, euh, les mêmes injustices probablement. Mais en même temps, elle s'est trouvée confrontée à des situations totalement inconnue des autres souveraines. Il n'y en a pas deux comme elle. À cette époque, il faudra attendre je ne sais pas quel siècle d'ailleurs. Et d'autre part, elle a, été, elle a été confrontée à des situations inconnues des hommes, absolument inconnues. Écoutez, à un moment de sa vie, on est en pleine guerre, elle est quand même le chef des armées. Eh bien écoutez, elle est en train d'accoucher. Pour elle, l'accouchement, c'est une horreur. Vous dites « c'est la guerre des femmes ». Vous avez une belle Elle expression, accepte. vous dites « les accouchements à l'époque, c'est la guerre des femmes ». la guerre champ de des, des, femmes. des femmes. On peut y laisser sa vie, on peut être mutilé. Et en même temps qu'elle accouche, il se, il se passe une bataille qui, euh, qui va se trouver très très négative pour, pour, pour l'Autriche. Et on n'ose pas lui annoncer parce qu'on a peur qu'il se passe un accident dans l'accouchement. Et, et quel homme a été jamais confronté à des choses pareilles Et donc c'est là où il y a quelque chose de particulier au pouvoir, l'exercice du pouvoir féminin. Quand vous voulez cumuler tout. En même temps, elle ne veut pas humilier son mari, qui est très ouais. mauvais militaire, très mauvais, tout ce qu'on veut. Et donc, elle essaye de, pour ça de, de le mettre en, en, comment, en à l'égalité avec elle. Mais ça ne tient pas, évidemment. Mais c'est aussi une, un souci qu'elle a constamment. Est-ce que vous connaissez beaucoup de souverains qui se sont souciés du statut de leur femme Mais pas du tout, jamais. Les, les, les épouses des souverains, elles sont deux pas derrière, aucun pouvoir, euh, et elles sont là pour sourire. Si elles exercent un pouvoir d'influence, si en se cachant bien du public, et c'est ça qui m'a intéressée, c'est à la fois beaucoup plus dur d'exercer le pouvoir quand on est une femme qui est une mère, etc. Et en même temps, je crois que c'est un avantage. Voilà. C'est la leçon vous tirez de ce destin. Euh... Oui, c est, c est, c est, je, la leçon que je tire, c'est que quelque part, elle, elle tient lieu de repère dans l'histoire des femmes. Voilà. Elle, elle est deux siècles avant nous. Euh, Quelqu'un qui a connu les mêmes problèmes. Le pouvoir au féminin vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est beaucoup plus, vous l'avez compris, que la simple biographie de Marie-Thérèse d'Autriche. Et si c'était déjà cela, ce serait formidable. C'est vous dire que c'est un livre vraiment, vraiment indispensable. Euh, alors, Pascal Quignard, vous nous emmenez, vous, euh, au temps des récits merveilleux, des miracles et des étranges légendes, dans un livre qui est un, un roman. Les larmes, publiées aux éditions Grasset. On va remonter le temps jusqu'à Charlemagne, le grand empereur, qui vient de mourir. Deux de ses petits-enfants, des jumeaux, parcourent le royaume et le monde, et l'un d'entre eux va inventer la langue française. Attention, la date est précise. C'était un vendredi, le 14 février 842, et il neigeait. C'est rare hein, quand même, Pascal Quignard, les sociétés qui connaissent avec autant de précision le moment de bascule euh, du symbolique, le moment où la date de naissance de leur langue va euh, être euh, affirmée. Je voudrais qu'on commence par les, les deux jumeaux avant d'en venir sur la langue française. Euh, ils se nomment Nitard et Artnide. Qui sont-ils, ces deux enfants C'est ça qui a tout déclenché pour moi de voir quand il parle tout à coup de son frère, Artnide, et si l'on prend les deux mots, Nitardus nitar ou Arthnelus, c'est visiblement des mots qui s'évoquent l'un l'autre. C'est un anagramme Bien sûr, en français. Comme, et c'est comme ça, de, depuis les Romains, que l'on nommait les jumeaux, euh, Rémus, Remus, en jouant toujours sur leur, pour, pour indiquer précisément leur gémellité. On faisait des, des noms gémellaires. Et je me suis dit, ça c'est assez extraordinaire. Il y a là une profondeur. On sait tout de Nitard, il a écrit son histoire, il, no, il nomme son frère, et on ne sait rien sur ce. Sur ce jumeau, euh, et si vous voulez, c'est pas du tout Docteur Jekyll et Mister Hyde. C'est plutôt l'idée. Euh, j'ai fait une longue psychanalyse. C'est plutôt l'idée, comment dire, qu'il y a au fond de soi parfois quelque chose d'autre qui est proche de soi. On jamais, on ne se connaît pas bien soi-même. Il y a un autre soi-même qui est différent, plus sauvage, moins, plus indompté. Et dans ce cas-là, grâce à ce texte de j'ai pu créer ce Arthnide qui fait le contraire. Et ça m'a permis d'écrire le livre parce qu'il va jusqu'à Bagdad, il va, il va chez, chez Haroun, Bagdadi, etc. C'est-à-dire au même moment que Charlemagne s'écrive les, les mille et une nuits, et je pouvais faire comme ça une sorte de mille et une nuits carolingien ouais, autour de l'invention euh, de la langue. Voilà, ouais. C'est que... extraordinaire d'avoir la possibilité de voir fortuitement pour une raison, là aussi de pouvoir, d'encrantement des pouvoirs, faire, comment dire, prêter serment à un Allemand dans la langue de l'autre, en français, et réciproquement, afin que de consolider, de bien enfermer, de bien impacter les deux pouvoirs. Ça, dans le froid, en effet, la neige. Là, le texte est très précis. La neige nombreuse était là. Ça sort comme une brume des lèvres. Est-ce que je peux poser une question Comment êtes-vous tombé sur un sujet pareil, absolument inconnu de moi Comment vous êtes tombé là-dessus et qui vous a donné en fait l'envie d'écrire, quoi. Ah, c'est mystérieux. J'ai toujours entendu parler. Mon, mon, mon grand-père était un grammairien qui a écrit l'histoire de la langue française, donc j'ai toujours entendu parler de Nitard. Et c'est quand j'ai vu ouais. le corps de Nitard dans l'abbaye de Saint-Riquier, avec son crâne, ce crâne fracassé son corps entier, que j'ai été extrêmement ému extrêmement témique. Il vous a dit, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire sur ce Il, il n'est pas, pas plus connu que, que l'été Sainte-Colombe ou d'autres. Il mérite peut-être de revenir comme ça. Il y a une défense de l'oublié, qui est une joie aussi pour celui qui écrit. Ah oui. Dans cette défense de l'oublier, il y a aussi peut-être euh, des signaux. Vous savez, un petit peu comme le signal d'un phare qui revient et qui balaye et qui s'adresse au lecteur et lui fait dire que peut-être, nous ne parlons pas que du passé, mais que ce passé résonne étrangement aujourd'hui, on va recontextualiser, vous écrivez merveilleusement que dans ce temps, au même moment, deux assauts s'associèrent et étranglèrent l'Europe comme des crocs. Une invasion progressive, savante, subtile, pieuse au sud, une invasion brutale, barbare, cupide, violente au nord. Quelles sont ces deux invasions Les Arabes d'un côté. Et les Normands de l'autre. Et ce qui est très curieux, c'est que les, Ar les Arabes ont laissé un mauvais souvenir alors qu'ils ont apporté énormément de belles choses et qu'ils se sont retirés très vite. Et ont continué à prospérer en, en Andalousie en faisant des choses absolument merveilleuses. Ils ont apporté la viole de gand et, des... et dans le même temps, je ne sais pas pourquoi les Normands qui sont restés, qui ont pris jusqu'à la Sicile, mais qui sont restés en Normandie pendant des, des siècles, pourquoi on a un tel enchantement à parler de l'Islande, de la Norvège On n'aura jamais reproché aux Normands quoi que ce soit. Il y a des injustices historiques comme ça qui se. Mais y compris d'ailleurs la mort d'un des deux frères. De très loin étaient les Normands, de très très loin étaient les Normands. Revenons à, à Nithard. On a bien vu le contexte, un empire, celui de Charlemagne, c'est-à-dire quasiment toute l'Europe démantelé. Un serment qui doit être prononcé entre trois petits-fils, et puis quelqu'un qui doit écrire l'histoire au moment où la guerre, la guerre effroyable, hein, va se déclencher. Et qui invente une langue. Euh, ce Nithard, qu'est-ce qui lui passe par la tête Comment fait-il pour transformer la langue euh, savante, hein, le, le latin, en langue populaire et fixer dans cette langue populaire ce qui sera le fameux serment de Strasbourg J'en sais rien. Non, je ne peux pas vous répondre pour cela. Ce bah, vous, vous le racontez. Ce qui était non, vous ce vous était le dans livre. Qu il doit l'écrire le soir même. Il doit oui. l'écrire le soir même. Et il le fait, mais vraiment, comme... Euh, il n'est pas plus connu que Rosette, mais c'est la pierre de Rosette, finalement. Il écrit en latin, en Todesca, en, en, en proto-allemand, et en français, en romana. Bon, il le fait le soir même, pour, sans doute pour, pour en conserver le, sou, le souvenir impérissable et qu'on retienne les serments. Mmh. Mais il ne va pas jusqu'à Verdun, parce qu'il dit à un moment qu'il a la anxieuse et qu'il ne peut pas passer son temps à défendre des choses qui vont nuire à ses propres possessions. Et il arrête d'écrire. C'est un livre très beau et très curieux parce qu'il est. Euh, le livre de Nictard est un livre euh, pas confiant en lui-même. Ch euh, Charles, Charles Le Chauve lui demande de l'écrire pour le défendre, mais il le fait, puis il ne va pas jusqu'au bout. Il va pas jusqu au, jusqu au... Ça vous plaît, hein, ça Tout ce qui dans l'histoire renvoie à une écriture fragmentée Oui. Inachevée, incomplète. Pour quelle raison Incomplète. L'histoire des Francs avec Grégoire, ensuite Aguinard, ensuite Nita. Euh, euh, c'est des très beaux livres d'histoire, je trouve qu'on pourrait les étudier plus. C'est du latin, en effet, qui n'est pas du latin euh, somptueux. Mais oh, ça, donne une, ça donne, comment dire, si vous voulez, c'est comme si euh, dans ma, notre langue, on pouvait, sous, sous chaque mot, creuser un puits et toucher l'origine, pour parler comme Isabelle Badinter. Et il y a un plaisir à, sans arrêt à être assourcé à l'origine. – Faudrait-il encore euh, qu'on comprenne le latin euh, dans, dans quelques mois et quelques années ?– Ah oui, ça, ça faudrait quand même le rappeler que, un peu. – Oui, oui. je veux dire, l'enseignement du latin étant ce qu'il est aujourd'hui, il n'est pas sûr que certains de vos successeurs puissent faire un livre comme le vôtre, parce qu'il faut justement euh, avoir accès à, ça, à cette langue-là. – Si Nita arrive à me comprendre, je suis déjà justifié de oui. mais rassurez-vous, parce que le lecteur parvient, lui, parfaitement à vous comprendre et, et vous lui proposez d'entrer dans le latin. Et même si vous n'avez euh, jamais fait de latin ou alors si c'est un très vieux souvenir, vous allez voir qu'avec Pascal Quignard qui nous amène comme ça, très délicatement, vers quelques citations latines, on a envie d'y rester, et, et d'y revenir. – Je crois qu'il ne faut pas être aussi pessimiste. De même que sont revenus la musique baroque ou le Monteverdi après des siècles d'oubli, je pense que le latin, le grec, le sanskrit vont revenir comme des… Comme des, euh, des, des d'études choyées. Je le souhaite. Je, je pense. Je pense que vous êtes optimiste. Et vous êtes pessimiste Assez, oui. Page 106 des larmes de Pascal Quignard, je lis ceci. Euh, je ne sais pas si c'est Pascal Quignard qui, qui le pense ou, ou si c'est son personnage. Écrire. Écrire ne consiste pas à lever la main vers le ciel. Écrire ne consiste nullement à bénir. Écrire, c'est baisser la main vers le sol, ou la pierre, ou le plomb, ou la peau, ou la page. Et c'est noter le mal. Écrire, c'est noter le mal. Pour les historiens, c'est comme ça qu'ils le vivaient. Par rapport à Dieu, c'était noter le mal pour l'effacer, en effet, pour pouvoir. Le... Et pour vous, aujourd'hui euh... Bénir, écrire n'a jamais été. Oui, ce Bénir, ce de... pas vous. Non. Ce qu'il y a de merveilleux dans le fait d'écrire, c'est le temps que ça laisse le repli, le retrait que ça permet, le silence que ça, que ça requiert. On met en haut, on met sa propre langue dans le silence, il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de dialogue. Il y a une étendue là qui permet d'apaiser, d'approfondir beaucoup aussi ce que l'on pense. C'est une Ma vie est une chose bénie, écrire est quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce que vous reprenez, Elisabeth Badinter, à votre compte, cette expression, noter le mal Entre noter le mal et bénir, il me semble qu'il y a une phase intermédiaire. On peut aussi tenter, tenter, parce qu'on n'y arrive jamais complètement, à un récit de neutralité, en ce qui concerne l'histoire, bien entendu. Je ne parle que de ça. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre façon de de considérer l'histoire, on aurait plutôt tendance à noter le mal. Et avant, on pouvait avoir dans les, les historiens de la France, par exemple, au contraire, de bénir. Mmh. Euh, en ce moment, dans la période inverse. Euh, je... Vous-même, quand vous travaillez, quand, bah, évidemment, on voit bien les deux écueils que vous avez pointés. Est-ce que parfois vous vous sentez euh, déchiré ou tiré, tiraillé quand il s'agit du portrait de quelqu'un que vous aimez beaucoup oh Non, pas Jamais. tiraillé du tout Jamais. Ah non, non, je ne suis tiraillé que par une recherche. Une tentative de recherche de vérité. Mmh. Une tentative, parce que bien sûr, beaucoup de choses m'échappent. Mais c'est ça, pour moi, c'est ça le, le Graal. Est-ce que, est que je vais arriver à, à dire un tout petit peu de vérité J'en mmh. sais rien. Je ne pourrais jamais le savoir. Mais enfin, c'est mon objectif. Moi, je n'ai pas ce souci. Et ça, c'est une merveille. Je peux écrire ce que je veux. Et une... mais pour répondre, Quelle chance dans peux... hein, le romancier non, mais je pense là à un début d'un très très beau livre d'histoire d'une princesse byzantine, Anne-Marie même, Commen, qui commence par dire ⁇ Je pleure ⁇ Et c'est pour ça qu'il faut noter le mal. Je pleure aussi pour aussi, comment dire, dire ce qui a été fait de mal à, à mes proches, aux miens, à ceux qu'on a persécutés ou ceux qu'on a... Et on peut le dire par antiphrase. On peut le dire par Linky Linkipit. Du livre de Pascal Quignard, j'adore. Jadis, les chevaux étaient libres. Point. Ce n'est pas noter le mal, ça. Tout est contenu, finalement, dans cette phrase. C'est noter la beauté, en plus, que n'est rien de plus beau qu'un cheval. Page 138, Pascal Quignard. Euh, un de vos personnages dit ceci Je préfère observer à comprendre. Et un peu plus loin, je préfère penser à juger. C'est vous oui. Vraiment. Ça ne trouve pas très intéressant de juger les choses. Ni de les comprendre ha. Montrer l'énigme telle qu'elle est, la naissance d'une langue, quelque chose, montrer l'énigme et le, la contempler comme une, comme une montagne, un fleuve, une baie, un oiseau, un cheval, je trouve que c'est pour moi, c'est tout ce que j'espère de moi. Que signifie cette euh, phrase, un petit peu plus loin, que je trouve très belle, un peu. Mélancolique, bien sûr, mais très belle. La vie donne à chacun le rôle qui le dépasse, dans lequel on n'arrive même pas à mourir. C'est bien pour ça qu'il faut à tout prix ne pas répondre à des rôles et essayer d'être le plus libre possible. Il vaut mieux éviter d'être ce que sa mère voulait, ce que son père souhaitait, ce que sa grand-mère désirait. Y êtes-vous parvenu Assez. Un petit peu, mais assez. Je suis assez heureux. Et vous, Elisabeth Badinter Un petit peu aussi. Les larmes, c'est le titre de ce très très beau roman signé Pascal Quignard, dans lequel il y a, on, on aurait pu en parler également, de formidables portraits de femmes. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs, parce que euh, le pouvoir féminin, ça pourrait presque être le sous-titre de votre œuvre, Pascal Quignard. Euh, souvent, ce sont des personnages masculins, hein, Monsieur de Sainte-Colombe, Nitard, mais, mais il y a leur mère. Là, en l'occurrence, le portrait de la mère, Berthe, est remarquable. Il y a toujours les amantes. Dans vos livres, vous aimez bien raconter l'histoire de ces femmes hein, qui euh, toutes euh, décident de tout quitter par amour pour un homme, et qui perdent oui. l'amour, mais pas la, pas la liberté. Oui, et on voit dans le livre d'Elisabeth Beninter aussi que la de... là où elle reste comme un homme complètement, c'est qu'elle ne renonce jamais à la moindre domination. Et toutes les femmes que j'ai admirées étaient extraordinairement impérieuses, elles aussi. Et vous les avez admirées Oui. Ah, ça fait plaisir. Mais vous voyez, élisabeth Baninter oui, ça fait plaisir. Le pouvoir féminin, on adore ça. Une autre chose que nous adorons, que nous défendons dans cette émission, Elisabeth Badinter, ce sont les librairies. Et particulièrement les librairies lorsqu'elles sont indépendantes. Libres, dirait Pascal Quignard. Ce soir, Inès de la Mode saint pierre rend visite à une jeune femme qui va vous plaire. Elle s'appelle Christelle, Christelle Diery, et elle a relevé un défi, celui d'ouvrir une librairie indépendante à Saint-Jean-de-Luz. Bien lui en a pris, regardez. Au début, les gens avaient peur pour moi. Beaucoup m'ont dit Tu es folle. C'est un secteur en difficulté, tu le sais. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie, c'est comme ça, quand c'est le bon moment. On y va. Je m'appelle Christelle, j'ai 33 ans. J'ai créé ma librairie à Saint-Jean-de-Luz, le 5e art, il y a 6 ans. Parce que quand j'étais petite, je voulais être rencontreuse de gens. Ça va ma... Bah Oui, très bien, écoute. <laughs> bon, à bientôt j'ai appelé ma librairie le cinquième art parce que Hegel avait fait la, la première classification des arts. Euh, donc, le premier, c'est l'architecture, sculpture, peinture, musique, littérature. Et alors, il n'appelait pas ça euh, littérature, il l'appelait ça poésie, hein. euh, ce qui veut dire faire euh, en grec ancien. Et j'aimais bien que euh, la littérature soit une forme d'action. On va regarder si c'est bien disponible en ce moment. Je lis tout le temps. <laughs> Si par, euh, voilà, par malheur une nuit d'insomnie, euh, bah voilà, on, on lit et puis on lit à notre pause déjeuner, on lit le, le matin, on lit le soir. Du coup, la littérature, elle, elle est dans, dans toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Donc, le livre qui a changé ma vie, c'est euh, le livre de Rosa Montero, L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, euh, paru chez Métellier. dans le portrait qu'elle fait de Marie Curie. Euh, on découvre cette grande femme qui était euh, opiniâtre, hein, forcenée, courageuse, taiseuse. Elle a traversé des épreuves, elle a perdu son, son mari, euh, et pourtant, elle a toujours osé faire les choses dans sa vie. C'est un livre qui m'a apporté une forme de, de sérénité, euh, de distance par rapport à, à la perte, à la mort, hein, parce que voilà, c'est quelque chose d'universel, hein, et quand on le vit, on ne se rend plus compte de ça, on est dans sa propre douleur. Hein, et voilà, elle m'a aidé à prendre de la hauteur et de la distance. Rosa Montero cite Pessoa euh, qui dit que la littérature, euh, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. C'est tellement vrai. En fait, la littérature, c'est ce qui nous aide à, à vivre, à vivre plus fort. C'est un supplément de vie. Et ce livre, l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Euh, et alors là, pour moi, un des grands, grands, grands chefs-d'œuvre. La bien raison. Vous l'avez lu, Elisabeth Ballinter Non. Ah, formidable! L'histoire croisée euh, vous de. Me du, oui, je vous l'offre. Oh, Rosa Montero, c'est l'histoire croisée des journaux, du journal de Marie Curie après la mort de son mari, ah, oui, oui. par une biographe qui perd son mari et qui découvre un autre sujet. Remarquable. Alors, nous avons été rejoints par Emmanuel de Varesquiel, Antoine Roux et Stéphane Audeguy. Bonsoir, messieurs. Merci d'être avec nous pour parler d'histoire, mais aussi de la manière dont on l'écrit. Enquête, euh, théâtre parfois, roman maintenant. Et puis, Stéphane Audeguy, entre le roman et le conte, bah, la langue, Voilà tout simplement. Je ne sais pas trop ce que c'est votre livre, mais je l'ai beaucoup aimé. Disons que c'est la littérature. Emmanuel de Varesquel, je voudrais qu'on commence avec vous, si vous le voulez bien. Vous êtes historien, auteur de deux très bonnes biographies qui furent de grands succès de librairie. Talleyrand, il est large, Le vice, mais aussi Fouché, Le crime. Le vice et le crime. Voilà, on a les deux. Spécialiste donc Emmanuel de Varesquel de la Révolution française, euh, dont vous continuez de fouiller les non-dits, mais aussi les énigmes. Voici maintenant un livre passionnant qui prend presque la forme d'une enquête policière, subjective aussi. Juge la reine. Ce sont les trois jours du procès de Marie-Antoinette qui sont aussi les trois derniers jours de sa vie, puisqu'elle monte sur l'échafaud au terme de ce procès qui aura duré moins d'une trentaine d'heures. Elle est guillotinée le 16 octobre 1793. Alors, il y a, Emmanuel de Varesquiel, des dizaines d'ouvrages sur Marie-Antoinette, tous. Ah, ah. Euh, ah oui, mmh. non Certes, Il y a des dizaines de films oui, sur Marie-Antoinette. Un nouveau livre centré sur le procès, pour quelles raison vous savez, on choisit des événements quand on, on a, on est persuadé qu'ils sont des, des clés de compréhension d'une époque. Il y, y a quelque chose qui nous rapproche nous autres historiens avec vous autres euh, écrivains, romanciers. C'est la climatologie. La climatologie. Oui. Vous dites euh, ça à quelqu'un qui a écrit une théorie des nuages. Une certaine, voilà, c'est d'une certaine façon, euh, on essaye de, comme les littéraires, comme les romanciers, on essaye de savoir quel est le temps qu'il fait à un moment donné de l'histoire, euh, non pas. S'il pleut ou s'il fait beau, mais quel est le temps qu'il fait Quelle est l'air du temps de, de l'époque sur laquelle on travaille Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens Quelle est l'air du temps dans la tête des protagonistes de l'événement qu'on essaye de comprendre, d'analyser et, et de mettre au jour et au fond de débarrasser des gangs, de la gang de la mémoire, des représentations, des déformations qui sont données par les sources alors c'est intéressant parce que ça permet aussi d'écarter les légendes, la légende noire de Marie-Antoinette et puis la légende rose également d'un côté la martyre, de l'autre celle qui a été au contraire une femme formidable. Euh, oui. Vous travaillez sur cette espèce de météo des esprits, ça veut dire quoi Une psychologie aussi. Vous insistez sur le fait que la femme qui va comparaître le 14 octobre 1793 à 38 ans que ses cheveux ont blanchi du jour 38 au lendemain. 38 ans. Oui, à quelques jours de son anniversaire. Du jour au lendemain, ses cheveux deviennent blancs. Euh, elle est presque myope. Elle a perdu l'œil droit. Qu'est-ce que ça nous dit elle est Malade, de elle cette a des femme. Des hémorragies, probablement un cancer de l'utérus. Elle est très affaiblie. Elle sort de presque deux ans d'enfermement de, à la Tour du Temple, puis a un enfermement total dans son, sa cellule de la Conciergerie. Elle a été séparée elle a perdu son mari, qui est mort sur l'échafaud, Louis XVI. Le 21 janvier 1993, elle a, elle a été séparée de son fils adoré, le petit dauphin Louis XVII, pour les royalistes et, et le, le fils capet, euh, le marmotin, comme disaient les révolutionnaires, euh, qui lui a été enlevé le 3 juillet 1793, donc deux mois auparavant, deux mois et demi avant qu'elle n'arrive dans cette salle de liberté, de la liberté du tribunal révolutionnaire pour être jugée, euh, selon un procédure, une procédure qui est celui de, des procès politiques, hein, le jugement. Le jugement est donné d'avance. raconter l'histoire la manière dont on compose. Elle est comme Antigone, Marie-Antoinette. J'aime beaucoup cette phrase au début d'Antigone, Danouille. La petite, la petite maigre qui est assise là, au fond de la scène, euh, elle veut vivre. Elle ouais. ne sait pas qu'elle va mourir. Elle s'appelle assez... Antigone. C'est exactement Marie-Antoinette. C'est assez curieux parce que vous citez Antigone pour parler de la fille et vous citez également Antigone, vous, Elisabeth Badinter, pour parler de la mère. Oui, mais il y a, y a, y a un, ça. J'ai lu votre livre avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Il y a des, des reflets et des miroirs entre la mère et la fille. Euh, si donc euh, les rapports qu'elles ont entretenus au pouvoir ne sont absolument pas les mêmes, euh, je pense qu'à la différence de sa mère, et j'essaye de construire psychologiquement le personnage pour, pour donner à comprendre la façon dont elle s'est comportée face à ses juges. Mmh. Elle a été d'un incroyable courage devant ces juges et jusqu'à l'échafaud, jusqu'à la mort et euh, je dirais d'une présence d'esprit, d'une maîtrise de soi politique incroyable. Et donc pour comprendre cette attitude de Marie-Antoinette, seule face à tous dans l'adversité absolue, sous les injures absolues, pour comprendre cela, il faut revenir en arrière et essayer de la construire ouais. psychologiquement. Et au fond, je pense que cette femme ne s'est jamais aimée euh, elle ne exemple... jamais aimée. Non, elle, elle, elle n'a pas fui la cour, elle n'a pas tant fui Versailles qu'elle-même. Elle a essayé de se réfugier dans une sorte de thébaïde qui a été le petit Trianon, euh, euh, une sorte de cocon qui était un peu le cocon de Schönbrunn et de Vienne de son enfance. Elle a d'ailleurs toujours eu cette nostalgie de l'enfance. Mm. Euh, un certain nombre de lettres qu'on écrit d'elle, de son comportement à Versailles, montrent qu'elle avait peur de la foule, qu'elle avait peur de parler en public. Elle n'aime pas ses portraits. Il faudra qu'elle attende mm. d'avoir Elisabeth Vigée-Lebrun en 1778 pour aimer le reflet d'elle-même. Donc elle, elle, elle se fuit. Et puis à un moment donné... La révolution surgit en 1789 et pour la première fois de sa vie, elle décide d'affronter son destin. Et au bout de ce destin, il y a la mort. Y compris destin politique, parce que vous le rappelez dans ce livre, c'est aussi un procès politique. Vous, vous rappelez cette phrase extraordinaire que disait Mirabeau en parlant de Louis XVI, le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme. C'était en 1780. 9. Oui, et en cela, le procès est infiniment plus intéressant. De, le procès de Marie-Antoinette est plus intéressant que celui de Louis XVI. Parce que ce procès-là, il est comme le, le négatif d'une photo en noir et blanc. Tout est tranché. Il n'y a pas mille nuances ou cent nuances de gris, comme dirait un romancier contemporain. C'est le procès des hommes contre, contre une femme. C'est le procès de la révolution contre la contre-révolution et la monarchie. C'est le procès de l'égalité. Ce procès, c'est une espèce de revanche sociale sur la monarchie. C'est le procès de l'égalité contre les privilèges. La cour, les ordres, les hiérarchies, euh, euh, et c'est aussi évidemment le procès de la nation et de la patrie contre la trahison et l'étrangeté. Marie-Antoinette, c'est l'étrangère, c'est l'étrangère, et c'est le bouc émissaire qui va servir au fond à la République à se construire. La République va se construire, et quelquefois elle se construit encore comme ça aujourd'hui, sur la sur haine de, de l'exclusion. Mais vous le dites, vous l'écrivez, même vous allez plus loin. Vous dites, elle se construit, à un an, elle se construira sur la haine de l'autre, l'étranger, sur un monceau de cadavres. Parce que Dieu sait que les morts de la Révolution ont été nombreux, mais elle se construit aussi sur de l'exclusion. Alors, Ce et qui sur est le extrêmement rejet frappant, c'est qu'il faut lire les deux livres d'Emmanuel de Varesquiel et d'Elisabeth Badinter pardon, en, en miroir. Euh, le portrait de euh, la mère explique beaucoup de choses dans le destin de la fille, notamment la correspondance. Vous citez hein, Emmanuel de Varesquiel longuement, les lettres qu'elle écrit à sa mère. Sa mère est déjà assez âgée. C'est l'avant-dernière enfant, hein, Marie-Antoinette. L'avant-dernière, oui. Moi, ce qui oui. m'a beaucoup frappé, c'est que à sa mère aussi, on lui a fait un temps le reproche d'être l'étrangère parce qu'elle avait épousé euh, un duc de Lorraine. De Lorraine mais euh, à elle mais aussi, on a dit qu'elle avait, de qu avait les orgies, des orgies. Oui. Marie-Antoinette garde sa fille. Elle a renoncé à en faire ce qu'elle aurait voulu que sa fille fût. Et, et bon, elle, elle, a, elle a essayé de, de, de lui donner des conseils. Les lettres sont celles d'une mère très sévère, très critique. Hum. Marie-Antoinette répond à côté ou répond pas. Bon, et à un moment, on sent que la mère dit :« Il n'y a rien à faire, euh, j'arriverai à rien. » Et bon, elle laisse tomber. La mère est à la fin de sa vie aussi. Oui. Hein. Ah, oui, oui. oui. Mais Marie-Antoinette est à la fois l'otage et la victime de la politique de la grande politique internationale et de ce qu'on a appelé le renversement des alliances, c'est-à-dire le rapprochement de la France avec l'ennemi héréditaire de toujours de la France, qui sont les Habsbourg et l'Autriche. Oui. Souvenez-vous du précaré de, de la politique de Richelieu, de la politique de Mazarin, et donc en fait, à, à son corps défendant. Euh, elle, va, elle va susciter une animosité dans les élites françaises contre elle parce qu'elle est autrichienne. Euh, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que vous racontez que cette euh, animosité n'est pas seulement en, en France. On se pose la question pour quelles raisons l'Autriche, qui dispose d'une immense armée, la coalition avec les Prussiens, la Russie n'est pas loin, l'Angleterre peut débarquer, pour quelles raisons ne vient-on pas sauver Marie-Antoinette Vous donnez la réponse en disant elle n'est pas si populaire en Autriche. Ça non, arrange elle est bien. À... Elle est abandonnée par sa propre famille qui ne cherche pas à l'échanger et à la sauver parce que son neveu qui règne alors, qui est François II d'Autriche, considère que les victoires qu'il peut gagner sur le terrain, l'Autriche envahit le territoire de la République, valent infiniment mieux qu'une négociation d'armistice avec la République française. Et donc elle est un peu comme la Pologne en 1940 qui est prise en étau entre la Russie et l'Allemagne elle est, elle est attaquée par tout le monde. C'est la tragédie de cette femme. Elle est là, cette immense solitude. Elle est attaquée par ses propres alliés, par les cours européennes. Elle est attaquée par l'émigration française, les frères de Louis XVI, qui, qui ne l'aiment pas et qui ne la défendent pas. Et évidemment, par la Révolution, pour qui elle est la traîtresse de lui et la salope. Absolue. Elle est attaquée également par son fils. Elle est attaquée son fils qui ne sait pas ce qu'il dit. Oui, bien entendu. Parce oui, bon, que... enfin, il n'en demeure pas moins qu'il témoigne. Non, mais attendez... Bien sûr, il a 8 ans. Il a 8 ans, enfin... non, mais elle le dit très bien. Il, il est, est quand même nord. convoqué à plusieurs reprises, il dépose. Et euh, c est c est... Preuve, ce fait. vous suggérez On... que c'est une façon aussi de... de affaiblir Marie-Antoinette. Mais bien entendu, vous parliez, Elisabeth Benater, de, du des trois corps de, de Marie-Thérèse, mais c'est la même chose pour Marie-Antoinette. Il y a le corps physique de la femme, on attaque la femme. Il y a le corps de la souveraine, le corps euh, éternel de la souveraine, qu'elle n'a pas est tout pas à une fait été. Absolue, elle est oui, la mais femme on la prend pour vous. la reine. Et donc, il y a un troisième corps qui est le corps de la mère. Et au fond, la Révolution... Hébert, qui est un extrémiste révolutionnaire, euh, qui tient un journal qui s'appelle Le Père, Père Duchesne, qui est probablement celui qui distribue le plus d'injures, la salope d'Autriche, etc., etc. Hébert va inventer ce crime d'inceste. C'est le, le, le procès du, le premier procès pour crime sexuel de l'histoire de France. Hein, le procès de Marie-Antoinette va inventer ce crime d'inceste pour couper le cordon ombilical de l'hérédité monarchique. En fait, il y a eu deux régicides sous la Révolution. Il y a eu le régicide physique de Louis XVI et il y a eu un régicide moral. C'est le régicide de Marie-Antoinette, c'est-à-dire qu'en humiliant le fils, on humilie la mère mmh. et on se débarrasse de ce principe pur et, et, et je dirais euh, divin de l'hérédité monarchique. Et donc on extorque des, des aveux, évidemment par la peur et, et par la force, euh, au petit dauphin qui est encore prisonnier mmh. dans la tour du Temple, qui accuse sa mère d'avoir couché avec lui et également d'ailleurs sa Madame Elisabeth, et c'est probablement, c'est le coup de pied de l'âne quoi, mmh. c'est l'injure suprême et il y a cette magnifique réplique de Marie-Antoinette, j'en appelle à toutes les mères, euh, qui d'un bout à l'autre de son procès sait se défendre. Elle a des mots d'une pertinence lorsque par exemple Herman, le président du tribunal, lui dit « Vous avez fui à Varennes parce que vous vouliez remonter sur le trône ». Elle répond du tac au tac « Mais nous n'avions pas besoin de remonter sur le trône, nous y étions ». Et elle est la passionnariat du droit divin. Elle défend les droits historiques des Bourbons et de la monarchie. Je, je voudrais juste apporter une petite nuance. Quand vous dites, euh, on en avait après l'Autrichienne, c'est tout à fait juste, c'est comme ça qu'on l'a dénommée. Mais ce que je voudrais souligner quand même, c'est qu'elle a eu quand même euh, une, une influence politique en faveur de l'Autriche. Elle a quand même répondu aux pressions de son frère Joseph qui lui disait intervenez là, faites ci, faites ça. Donc, si on l'a qualifiée d'autrichienne, c'est parce qu'elle avait des connivences avec l'Autriche. Je ne suis pas, et... pas du tout d'accord avec ça. Non, je crois qu'au contraire, elle a, elle a fui le pouvoir comme tout le reste jusqu'en 89, au moment où elle s'est aperçue qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de ne pas le fuir. Mais je pense qu'elle euh, n'est pas intervenue dans les rapports politiques et diplomatiques. Qui ont pu exister entre la France et l'Autriche jusqu'au jusqu surgissement de la Révolution, en lisant attentivement les milliers de lettres qu'elle écrit, les lettres de merci, les lettres qu'elle écrit à sa mère, même si ce n'était pas le désir de sa mère. Le désir de sa mère est, au fond, elle n'a pas rendu la monnaie de sa pièce. Et d'ailleurs, les Autrichiens étaient très déçus de l'attitude qu'elle a eue, de l'attitude politique qu'elle aurait dû avoir et qu'elle n'a pas eue à la Cour de France parce qu'elle n'a pas joué le rôle que Vienne voulait qu'elle joue. Alors on ne vous mettra peut-être pas d'accord sur ce point, mais sur un autre, euh, sans doute, c'est que vous écrivez, d'ailleurs c'est l'un des, des passages les plus formidables de ce livre Emmanuel de Varesquiel, livre écrit, je le signale, hein, la première personne du singulier, c'est le J.E., -E, enfin bon, tout en passant, euh, qui enquête. C'est aussi la révolution, la pire période de la misogynie. Vous dites, c'est le corps de la femme, le corps de la reine, alors pas la reine absolue, certes que l'on veut à tout prix humilier il y a une volonté oui, euh, de, la révolution de, 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 de détruire en fait. le corps aussi de la femme Ce que la Révolution reproche à Marie-Antoinette, c'est cette inversion des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Au fond, euh, ce que la Révolution reproche à la monarchie, c'est la féminisation du pouvoir. C'est le mundus muliebris, comme dirait Fumaroli, Le monde des femmes qui a envahi la monarchie. Elisabeth vigée lebrun le dit très bien dans ses mémoires. Les femmes régnaient, la Révolution les a détrônées et au fond on reproche à Marie-Antoinette la révolution reproche à Marie-Antoinette d'avoir exercé le pouvoir alors même que son mari ne l'exerçait plus à partir de 1789 et à partir de là d'avoir été cette femme cette espèce de matahari du pouvoir cette femme du secret et cette femme de la manipulation que la révolution détestait la révolution. La révolution, c'est le monde des hommes. Elle, elle, ce sont des, astuces j des dire, Vous le rappelez, elle, la révolution coupe les têtes de toutes les femmes, que ce soit Olympe de Gouges, y compris Charlotte Corday. Le grand a procès de femmes sous la révolution. Et quelques jours après le procès de Marie-Antoinette, la Convention décrète la suppression des clubs féminins. Et l'idéal de la femme, c'est un idéal terriblement rétrograde. L'idéal révolutionnaire de la femme, c'est la femme au foyer, qui s'occupe du ménage et de ses enfants. Mais ce n'est certainement pas la femme au pouvoir. Et, plus... et d'ailleurs, euh, euh, au moment où on exécute Marie-Antoinette, se prépare cette séance euh, qui a voté euh, presque unanimement le fait que euh, les femmes n'auront pas le droit de vote. Elles sont réduites à l'état d'enfant et qu'elles sont priées de rentrer dans leur, euh, dans leur maison et de ne plus en sortir. Et d'ailleurs, cher monsieur, euh, on peut dire que la révolution est la fille de Jean-Jacques Rousseau. De vous. Oui, il se méfiait des femmes. « Jugez dit... la reine », c'est le titre donc, du livre d'Emmanuel de Varesquel qui vient de paraître, c'est aux éditions Talendier. Alors, voici maintenant, puisque vous évoquiez, euh, que vous apostrophiez Stéphane Autgui, voici euh, un livre superbe. C'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a rappelé, par certains aspects, ce que vous pouvez écrire, mon cher Pascal Quignard. « Histoire du lion-personne », un conte remarquablement tenu Stéphane guy à qui l'on doit quatre romans, dont un consacré euh, à euh, Rousseau, plus exactement, Frère Aîné de Rousseau, vous l'aviez lu, Fils unique Oui. Confession du Frère Aîné de Jean-Jacques, euh, c'était parfois un petit peu licencieux, <laughs> mais c'était très bon. Alors, euh, revenons à notre histoire du Lion-Personne, qui raconte l'itinéraire d'un lion du Sénégal au Jardin zoologique de Paris, en passant par la ménagerie de Versailles, de la veille de la Révolution à la fin de la Révolution, puisque nous sommes très précisément... Entre 1786 et 1796. D'où vient cette histoire, Stéphane Audgui ?– Ah, elle vient de loin, comme les histoires de, de Pascal Quignard avec lequel je me sens euh, en communauté sur ce point. M'intéresse, je crois, cette espèce d'énigme de l'animal, et donc l'énigme de l'animal, elle se joue en partie pour notre sensibilité au moment du XVIIIe siècle. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle qui, justement, ben par exemple, de focaliser... par exemple, il se trouve qu'on va passer d'un régime où il y avait quelque chose qui s'appelait, disons, des jardins d'agrément et où le roi entretenait un certain nombre d'animaux à, à fin, euh, disons, d'apparat, à fin somptuaire, des lions, mais aussi toutes sortes d'animaux rares, à quelque chose qu'on va appeler plus tard le c'est-à-dire une autre façon de, de, de concevoir ou d'envisager l'animal. Plus scientifique. Plus scientifique et mon, mon lion, si c'est mon lion, c'est le lion de personne puisqu'il s'appelle ainsi. Ce lion-là, eh bien, euh, vit ou traverse cette mutation-là. Il était. Alors, évidemment, on voit bien les enjeux, les enjeux politiques de tout ça. C'est que le lion, est le roi des animaux. Et eh oui. euh, le roi des hommes se doit d'avoir un lion, quelque chose comme ça. Et puis, en même temps, euh, la Révolution se trouve affrontée à cette question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Du roi des animaux. Qu'est-ce qu'on fait du roi des animaux. Ce sera un grand débat, vraiment, pour savoir si bah, le, roi débat, le roi des animaux doit être raccourci comme le roi des hommes. Parce que ça a été un débat, parce qu'effectivement, à ce moment-là, on, on, on est au moment... C'est très curieux, d'ailleurs. Vous savez, il y a un épisode très, très célèbre de la Révolution qui est qu'à un moment... Des, des fonctionnaires décident d'interdire l'exhibition d'animaux dans la ville de Paris, et donc on décide, il est interdit de montrer des lions, des ours, enfin n'importe quoi. Et à ce moment-là, on indique aussi qu'on va emmener tous ces animaux à la ménagerie qui existe à peine, et la ménagerie de, du Jardin des Plantes. Et euh, c'est forcé par cette euh, loi que le, le directeur du Jardin des Plantes a dû créer une ménagerie d'un nouveau type. Et effectivement, il, va savoir, il, va, il est question de, de, de discuter, on discute de savoir quel est l'intérêt de certains animaux. Faut-il ne conserver que des animaux utilitaires Mais qu'est-ce qu'un animal utilitaire Est-ce qu'il est, qu est bon que le, le, le peuple voit des animaux Et ça, c'est la naissance du zoo. Et c'est un certain Buffon qui euh, ensuite va oui, transmettre à alors... un jeune homme qui s'appelle Geoffroy Saint-Hilaire, qui est tout jeune hein, au début de la Révolution et qui va faire oui. tant pour justement les études animales. Le droit des animaux aussi, parce que derrière tout ça, le roi des animaux sera sauvé euh, de la guillotine potentielle, Emmanuel de Varesquiel, par les mêmes révolutionnaires, enfin d'autres, hein, ceux qui peut-être du côté de Condorcet et des plus progressistes se diront, mais après tout, est-ce qu'on ne peut pas repenser ce droit-là pour les animaux, non – Oui, oui, c'est une, une mutation assez, assez, assez fascinante. – Alors revenons justement à, à l'origine peut-être euh, du, du lion-personne. Un euh, lion euh, à la Révolution, ça vient d'où bah, Remontons dix ans en arrière, 1786, dans la savane, quelque part, un petit garçon découvre quoi ?– Découvre un lionceau, et je, je pense que dans tous mes livres, je m'intéresse à ça, je veux dire un des orphelins qui… À, d'une certaine manière, on compense l'orphelin en, en trouvant un autre orphelin. Hum. C'est cette tête de relation qui m'a intéressée. Il me semblait, si vous voulez, qu'il fallait respecter le lion en tant qu'il ne parle pas et ne pas parler à sa place. Ah Alors on touche quand même à ce qui fait, moi, je trouve tout le sel de ce livre. Vous auriez pu euh, parler à la première personne du singulier, le lion qui raconte sa vie. Vous auriez pu euh, croiser les témoignages. Il aurait pu y avoir des dialogues. Et comme chez Quignard, il y a. Ce style indirect, cette distance, qui crée toute la beauté de ce petit conte, cette petite euh, proposition philosophique. Ça, Pour quelle raison euh, ne faut-il faut pas faire parler le lion Alors, conte est pas fable. Ah, pourquoi non. Parce qu'il ne faut pas faire parler. Il faut pas parler à la place de quelqu'un. Il y a une indignité là-dedans. En revanche, on peut rendre compte ou compter, avec toute l'ambiguïté étymologique, mais elle existe. Il faut compter les choses. Il y a une phrase dans le livre dont je peux dire qu'elle qu est très belle puisqu'elle n'est pas de moi. C'est une phrase de Wittgenstein. Et Wittgenstein dit, si les lions pouvaient parler, ouais. nous ne pourrions les comprendre. Pas plus Mais c'est sûr, il faut partir de là. Et à partir de là, on ne peut pas évidemment parler à la place du lion. Enfin, ça a été fait très bien, hein. moi j'ai rien contre. Mais on peut raconter la façon dont le lion est saisi dans des relations. Avec Yacine, le jeune homme dont vous parliez à l'instant puis avec le directeur de la compagnie du Sénégal, et, et, et la façon dont, au fond, dans notre rapport à l'animal, nous sommes toujours... Nous, sommes, nous projetons comme ça, et j'ai essayé de moins projeter possible. Et puis c'est une réflexion à... sur les noms. À quoi ça sert de nommer, ah, nommer personne et... Pourquoi est-ce qu'il appelle personne, d'ailleurs, ce lion Il appelle personne, parce il y a, évidemment, il euh, y, a, y a une plaisanterie là-dessus dans, dans le livre, sur le fait que, que tous, les, tous les blancs, quand ils rencontrent un, un lion, les appellent Simba. Ouais. Le problème, c'est que Simba <laughs> veut dire lion. C'est un peu comme si on appelait tous les chiens chiens. Et qu'à partir de là, euh, la, la nomination, nommer, c'est une délicatesse. Il faut nommer avec délicatesse. C'est comme ce lion, euh, passez-moi l'expression, compisse euh, une tapisserie mm. sur laquelle est représenté un épisode de l'Odyssée, on songe à l'appeler personne. Et évidemment, dans le paradoxe de personne, il y a, euh, il, il y a le paradoxe de l'animal. Pour moi, qui personne, hein, on rappelle, c'est euh, Ulysse. C'est Ulysse. Le rusé, sûr, Ulysse. Bien sûr. – Qui a un outils rapport avec… – Pour parler, outis en grec, némo en latin, et personne dans le roman. – Voilà. – voilà. Chez vous aussi, hein, Pascal Quignard, c'est vrai que j'ai lu vos livres euh, en me disant, mais finalement, Odgui est le petit frère de Pascal Quignard, quelque part. Euh, L'importance du nom, le nom des, des animaux, également, pour évoquer les noms, vous écrivez euh, que ce ne sont pas simplement des conventions, euh, que ce ne pas des conventions de langue qu'on va assourcer, pour reprendre votre belle expression les noms dérivent des, des champs. Par exemple, euh, la hulotte, U. La chevêche, bouboule. Il, il, il y a une partie très... Vous saviez ça, Emmanuel en... de Veresquel, que la chevêche bouboulait Non, je ne le savais pas. Et ben voilà, la chevêche bouboule. Mais il y a une très petite partie des, des langues qui sont assourcées au, au cri de la nature. C'est la, la plus belle, d'ailleurs. Le reste, sans ça, n'est pas. Il y a quand même une chose, si vous voulez, que je trouve très émouvant avec les animaux, c'est qu'ils s'adressent quand même à nous. Nous n'avons pas le droit de les faire parler. Mais il nous faut les écouter parce qu'ils nous parlent quand même. Ils, Ils font écouter. semblant par gentillesse de nous parler. Et que dit le lion personne Ah mais je me suis aperçu après coup que je, ne, je le faisais rugir une seule fois déjà mmh. et que dans ce... il, il est très docile. Hein. C'est un gros matou apprivoisé, non Je pense qu'il y a il, a... oh, il dévore son petit chien quand il faut. Oui. <laughs> oui, oui. Mais vous lui prêtez quand même des pensées et des sentiments parce que par exemple quand Yacine meurt, vous dites c'est le dernier. C'est le dernier qui euh, continue à penser à lui. Il finit par l'oublier, mais oui. c'est celui qui s'en souvient. Oui, plus parce qu'il y a un effet, ouais. il y a quelque chose là qu'il faut. Et il y a une impossibilité à faire un, un livre sur l'animal, donc il faut essayer de figurer quelque chose de cette. Et j'espère avoir figuré aussi la violence de, de l'animal, mais la violence qui est en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est la violence des humains, donc vous avez figuré, ah bah, beaucoup ça, plus que celle du lion. Ça, si, si, si vous me demandez euh, à quoi, à qui s'adresse, qui est inhumain, sinon l'homme. Enfin, il voilà, n'y a pas d'inhumanité pour l'animal. Donc à partir de là, il y a cette violence euh, constante dont on vient d'avoir quelques exemples dans les livres de nos... Oui, la de différence nos... c'est la gratuité. disait... La... la violence animale n'est jamais gratuite. Oui, c'est ça, mais là je parlais, de la, je parlais de la férocité ou de la cruauté, ce qui est encore euh, une, autre, une autre chose. Chez les félins, dont les lions, chez les chats, parfois, moi je suis à, atterré. J'ai des amis Wazler qui le sont aussi, parce qu'il y a des moments, comment dire, sur des petits écureuils ou sur des petits passereaux, où la violence est un tout petit peu gratuite. Oui, mais c'est parce qu'ils vivent avec euh, nous. Mais, euh, ouais. Ah, vous pensez <laughs> <laughs> Moi, ça m'a toujours frappé chez le chat. Alors, euh... Alors là, le chat, il y a un sadisme du chat. – Loin Absolument. de moi l'idée de mettre un terme à ces considérations passionnantes sur euh, l'éthologie animale et les mérites comparés du chat et des oiseaux, enfin, je voudrais revenir à votre roman, Conte, pas fable, et pourtant c'est aussi une histoire d'amitié, car le lion-personne va partir vers la France, on va le dire rapidement, mais euh, ce pelletant euh, qui est… Le Propriétaire, le, le, le directeur général de la compagnie euh, envoyée là-bas, qui a des idées un tout petit peu abolitionnistes, hein. il voudrait transformer le Sénégal euh, et en faire un, un lieu où l'esclavage ne soit plus un système, il comprend très vite que ce lion finira bouloté ou empoisonné. Il décide donc de l'envoyer à son correspondant à Paris, un certain Monsieur Buffon, et il l'envoie avec le meilleur ami. Celui qui est devenu le meilleur ami, figurez-vous, c'est un chien. Un lion, un chien, j'ai parfois un peu l'impression tout de même. Que c'est la fontaine au Sénégal Alors, il se trouve que j'ai un modèle pour ce lion et que cette histoire est avérée. Je veux dire qu'il y existe bel et bien un, un lion qui a été au Jardin des Plantes et qui a eu pour compagnon un chien. Et dans Hugo, dans Victor Hugo, quand, quand Jean Valjean perd Cosette, Hugo écrit quelque chose comme Il était triste comme un lion à qui on a retiré son chien dans sa cage. Ah. J'ai découvert ça après, évidemment, mais donc cette histoire... Euh... Ah, vous l'avez découvert après Ah oui, oui, je ne savais pas. Euh, Hugo le dit deux fois, d'ailleurs, à propos de Claude Gueux et dans, une, dans un contexte de prison, et à propos de Jean Valjean et de Cosette. Voilà. Alors, il y a deux choses que je ne vais pas faire aujourd'hui. Vous demander si l'histoire est entièrement vraie. C'est gentil. Et ne pas lire la plus belle phrase, peut-être de la rentrée littéraire, qui est la dernière du livre de Stéphane Aude guy Mais vraiment, <laughs> je me retiens, je vous alors allez-y, parce que sinon j'y vais. Moi, histoire <laughs> du lion-personne, c'est vraiment remarquable, formidable, Merci. et c'est aux éditions euh, du seuil, Stéphane Guy. Euh, la Première Guerre mondiale, alors c'était il y a tout juste 100 ans, Verdun, La Somme, cette Première Guerre mondiale est au cœur euh, bah, du livre d'Antoine Ro dont nous allons parler dans un instant, mais au cœur également de l'œuvre de Jacques Tardy. Tardy, vous le savez, ce sont les aventures d'Adèle Blansec. Mais c'est aussi celui qui a sublimement illustré le voyage au bout de la nuit de Céline. Et la Grande Guerre, eh c'est son sujet de prédilection depuis longtemps. Après des albums devenus cultes comme C'était la guerre des tranchées ou encore Adieu brin d'avoine, Tardy signe avec Dominique Grange un bijou noir, je ne vois pas d'autre expression, Le Dernier Assaut, bande dessinée, accompagnée par un CD étonnant. Et à cette occasion, eh j'ai eu envie de vous présenter l'atelier de Tardy, comment travaille ce génie de la BD. Ouvrez bien les yeux, cela vaut le détour et c'est Inès de la mode Saint-Pierre qui vous guide. Ma principale préoccupation, c'est sa silhouette. Si je pars du principe qui portait plus de 20 kilos sur le dos, qu'il avait les pieds... Aspiré par la boue, etc., j'ai obligatoirement un personnage qui va être courbé. Dans le dos, il avait une cartouchière qui pesait je ne sais combien. Il en avait deux devant. Tout ça, c'était lourd, 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 lourd. On va rajouter les bandes moltières, les pieds dans la boue. Dessiner au plus près le quotidien des poilus et raconter la guerre, c'est devenu en 40 ans le sujet de prédilection de Jacques Tardy. Grand prix du Festival d'Angoulême en 1985, ce fils et petit-fils de soldat a signé plus d'une cinquantaine d'albums. D'Adieu Brin d'Avoine, publié en 1974, au Dernier Assaut qui vient de paraître. Ça, c'est le poilu avec, sa... avec son bidon. Je viens voir les boutons, les martingales, comment ça fonctionne, quel fusil. Pour se soustraire au bruit du monde, Jacques Tardy travaille dans la pénombre de son atelier dans le 20e arrondissement de Paris. Chaque journée débute par le même rituel. Je descends vers 8h30-9h avec mon café dans lequel je vais tremper des biscuits secs pour ne pas perdre de temps à me beurrer des tartines, etc. Et je me mets à ma table de travail. Et là, premier coup d'œil, je vois tout de suite ce qui ne va pas, les erreurs commises, ce qui sera à retoucher, voire même à recommencer. La journée qui commence vers 8h, 8h30, peut se terminer à 2h, 3h du matin. Cet endroit... C'est une sorte de grotte. Ouais. C'est un, un abri. Je sais que c'est ici que je suis le mieux. Ici, Jacques Tardy a réalisé les deux derniers tomes des Aventures extraordinaires d'Adèle Blansec, une série culte vendue à près de 5 millions d'exemplaires et adaptée au cinéma par Luc Besson en 2010. Adèle, il s'agissait d'une parodie de romans feuilletons de type Arsène Lupin, etc que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin. Et c'est aussi dans l'enfance que naît la fascination du dessinateur pour la Première Guerre mondiale. Ma grand-mère me racontait des horreurs que mon grand-père avait vécues dans les tranchées, grand-père que j'avais connu. À cette époque-là, j'avais 6 ans, 7 ans, je n'avais vu aucune image, de, aucune photographie, rien, aucune représentation de la Première Guerre mondiale. Et quand j'en ai vu... J'ai tout de suite plaqué ce, ce, ce grand-père. C'était lui le poilu. Mon pépé. Je vais chercher mes, mes sources dans des, des, des documents photographiques, dans des écrits, ces, ces fameux journaux de, de soldats qui quelquefois n'étaient pas destinés à être publiés. Ici, à la gare de l'Est, il y a ces deux photos, je trouve extrêmement touchantes. Il y a ce couple avec ce bébé. Ils sont là, visiblement, ils vont s'embrasser. Et sur la photo suivante, ils font en larmes. Et je trouve ça extrêmement touchant. Et c'est eux que j'ai envie de, de faire vivre. Il y a tout dans cette photo. C'est ça qui, qui peut m'amener à raconter une histoire. Un autre papier le dessin est au service du récit. Il faut avoir un dosage, c'est-à-dire que le dessin ne se remarque pas trop, qu'il remplisse sa fonction, qu'il soit à sa place et qu'il serve la narration. Voilà. Alors ça, voyez ce paquet là, voilà. Ça c'est un album. C'est le dernier assaut. Pour faire un album comme ça, il faut à peu près un an, un an et demi. Un an et demi, donc, pour raconter l'histoire d'Augustin Broutille, brancardier embourbé en 1916 dans les champs de bataille de la Somme. Et c'est avec ce soldat que Jacques Tardy plonge au cœur du chaos. Ce personnage s'est défini avec son nez un petit peu cabossé, une barbe. Euh, et on peut remarquer que. Il change au bout d'un certain nombre de planches, le profil a bougé, à un moment, je l'ai dessiné rapidement, je l'ai peut-être ancré en n'étant pas très précis, et puis voilà, je l'ai gardé comme ça. Non loin de la table à dessin de Jacques Tardy, le piano de Dominique Grange s'accompagne. La chanteuse a composé un album, 14 titres, qui accompagnent le dernier assaut. Il me lit des trucs. Euh, voilà, je suis complètement. Je baigne dedans. Ça me serait difficile de pas ressentir une inspiration. On l'appelait Branco Broutille. Ce brancardier du régiment, c'est tout cet héritage qu'on a reçu, ce qu'on nous a transmis de cette souffrance, de cette réalité euh, inepte qu'est qu la guerre, qui ressort aujourd'hui et qu'on a eu envie d'exprimer euh, ensemble de façon différente avec chacun notre, euh, notre stylo. C'est une espèce d'osmose pendant ce temps de création et donc voilà, ça a donné le dernier assaut euh, qui, est, qui, est, qui est notre petite œuvre en commun. Avec la Première Guerre mondiale, les sujets d'indignation ne manquent pas. Et normalement, bon, j'ai dit que c'était le dernier assaut, parce que ça fait vraiment très longtemps que je, que je travaille là-dessus, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et on espère qu'il y aura d'autres volumes. Le dernier assaut, c'est le, le nouveau Jacques Tardy. Euh, Tardy, on l'a vu, part d'une photographie et des correspondances, des, des lettres envoyées par les soldats. Qui parmi vous a déjà commencé un livre, une pièce de théâtre, euh, un récit historique, par justement ces photographies ou des choses un peu anecdotiques comme cela ?– par, Moi je pars d une, d une, souvent d'une émotion, dans, dans ce roman par exemple, je une pars du, du point de départ en fait, euh, qui, qui, est, qui est donc cet homme qui se réveille amnésique, c'est un une thématique que j'ai toujours trouvé fascinante, de savoir qui on est, mmh. voilà. c'est les amnésiques de guerre de la guerre de 14, on en a beaucoup parlé. – Vous n'êtes pas parti d'une photo non, non, mais c'est un peu la même démarche. Si vous... Oui, ouais. non, c'est pas d'une photo. Stéphane Oudguy Oui, moi j'ai écrit la théorie du neige à partir d'une gravure qui était une photo de chasse. C'est votre premier roman Oui. 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 C'était un homme qui, qui posait avec un orang-outan qu'il avait tué. Et donc j'ai écrit la fiction dans laquelle il ne la tuait pas, l'orang-outan. Bon, Elisabeth Badinter, je vais essayer de vous réconcilier avec ceux qui écrivent des romans historiques. Il y a eu Stéphane et il y a également Antoine Roux. Antoine Roux, donc vous êtes dramaturge, on vous doit déjà une bonne dizaine de pièces, parmi lesquelles Le Diable Rouge. Alors, le Diable Rouge, c'était. Mazarin, bien sûr. Euh, le démon de Anna, grand succès. Ça, c'était mmh. Anna Arendt mmh. et Martin Heidegger. Mmh. Et puis, il y a eu Le Système, qui revisitait la fameuse banqueroute de l'eau, mmh. euh, de l'as, comme, euh, comme, comme disait le peuple, la populace, euh, au temps de Philippe d'Orléans et de la Régence, donc votre siècle des Lumières. Ça, c'était des beaux succès publics, ces pièces de théâtre. Est-ce mmh. qu'il est vrai, pardonnez-moi d'ailleurs, que à l'âge de 20-21 ans, vous aviez envoyé votre première pièce de théâtre à celui qui régnait sur le théâtre, Jean Hanouille Absolument. C'était. C'est vrai j'avais joué en tant qu'amateur plusieurs de ces pièces. C'était mon, mon maître en fait à l'époque, et donc je l'avais écrit via une comédienne qui s'est de mon, mon club théâtre et qui s'appelait Madeleine Barbulé, Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. qui ah, était okay. Une oh, dame oui, absolument dis, adorable, là, et qui avait joué toutes les pièces de Jean Anouilh. Et donc elle, elle m'avait dit bah tu devrais les envoie lui par la poste. Et, voilà. et il m'avait répondu, ça m'avait énormément. Il m'avait dit vous êtes fait pour ça. Voilà, mais ça a et je crois qu'il avait ajouté, euh, écrivez quand vous êtes jeune. Le théâtre, c'est quand on est jeune. Exactement, c'est tout jeune que ça vient. Après, on se répète plus ou moins. Ah. C'est une leçon, il faut. Ne pas se répéter pour un auteur, c'est fondamental. Alors, du coup, pour ne pas se répéter au théâtre, il ben, y a le roman. Euh, ici, il s'agit d'un roman, La danse des vivants chez Albin Michel. Alors, nous sommes, vous l'avez dit, à la fin de la Première Guerre mondiale, mmh. au moment où un jeune officier français, blessé au front, se réveille et est déclaré. Amnésique. Il ignore tout, jusqu'à son propre nom. Simplement, il découvre qu'il parle aussi bien le français que l'allemand. Assez vite, il est recruté par les services secrets français pour infiltrer l'armée allemande quelques mois plus tard, c'est-à-dire dans l'immédiate après-guerre, juste après ce fameux traité de Versailles que vous faites revivre également de manière, je trouve, assez remarquable, Antoine Ro Voilà donc notre personnage plongé dans une Allemagne, revancharde, déchirée, mm -hmm. déchirée entre les extrêmes. Euh, pour quelle raison la Première Guerre mondiale fascine-t-elle toujours autant Pourquoi, vous, avez-vous envie de revenir sur cette Première Guerre mondiale Tardi parlait d'un grand-père. Alors, c'est surtout. Moi, ça se passe entre 18 et 20. Et en fait, ce qui m'intéressait beaucoup, et ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est cette entre-deux-guerres. Parce qu'on sort d'une guerre pour immédiatement préparer ou rentrer dans la suivante. Les Allemands, clairement, veulent une revanche, mais au fond et c'est ce que je raconte un peu donc, quand j'évoque le traité de Versailles, euh, on a des, des, des populations, des peuples qui sont figés dans leurs préjugés les uns sur les autres c'est à dire que tous les alliés euh, les Anglais, les Français, mmh. Wilson, Lloyd George, Clemenceau, sont tous absolument persuadés que les Allemands sont à mettre dans un même sac, c'est un peuple belliqueux et il faut les casser, les, leur, 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 les priver de tout moyen de refaire une, une guerre suivante. Clémenceau considère qu'il faut vraiment tous les museler. Euh, ils ne font pas du tout confiance aux jeunes Allemands qui font la, la, la République de Weimar. Ils ne font pas la, la distinction entre les généraux. Et, et, et qui arrivent, hein, on voit Walter Ratneau. Voilà. Euh, qui jouera un rôle décisif. Ou des hommes de paix qui, qui vont tous se faire assassiner d'ailleurs dans ce mmh. début des années 20 par les nationalistes allemands. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir qu'au fond, c'était dans un monde troublé, il y avait ce, cette attitude qui est très manichéenne, mmh. euh, qui cherche à simplifier. D'un côté bon, les bons, côté, de l'autre les, les méchants. Ouais. Euh, et évidemment, c'est une période qui est intéressante quand on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, dans une Europe. Euh, où les nationalismes renaissent, euh, il y a de nouveau ces déchirements et cette volonté de, se, de simplifier. Et puis il y a cette question de l'identité. Ouais. Euh, attendez, de... on va y venir à l'identité. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire. Même question qu'a Pascal Quignard tout à l'heure. Euh, C'est quand même assez ambitieux de se dire tiens, je vais raconter. Je trouve qu'il y a. Chapitre, un seul au moins qui mérite qu'on qu se précipite sur ce livre, c'est euh, le chapitre dans lequel vous racontez sur 30 pages les coulisses et de la tête, dans la tête des protagonistes le traité de Versailles. Mm -hmm. La manière dont Orlando, dont Wilson l'américain, dont Clémenceau le français et Lloyd George l'anglais vont décider, sur des ressorts psychologiques hein, souvent, euh, cette partition. Euh, comment travaillez-vous bah, là, effectivement, il y a une, ce sont des personnages réels. Donc je travaille comme je pense enfin, le plus possible comme un historien, C'est à dire que je me base, je ne suis pas historien, mais je, je lis tout ce qui a été écrit, euh, c'est-à-dire par eux-mêmes ou bien par les historiens, euh, sur cette période pour pouvoir être au plus près, d'une forme de, de vérité. En tout cas, je n'invente rien pas des de propos qu'ils disent. Il n'y a pas de vérité, dit Mais il Mais il n'y a pas de vérité, pas de On vérité en toujours. histoire. Elle ne sort toujours pas du puits. Hum, hum. Euh, euh, et c'est précisément ce qui fait l'intérêt de l'histoire. Hum. C'est qu'on essaye d'être aussi humble et honnête avec nos sources de s'approcher au plus près de la vérité mais la notion même de vérité l'histoire n'est pas quelque chose de donné oui. l'histoire est une construction donc il n'y a forcément pas de vérité historique est-ce que la fiction est-ce que les romanciers justement euh, peuvent aider l'historien les, les à aller vers cette vérité à il y a une tendre vers chez les romanciers parce qu'il y a un principe d'identification et euh, je dirais d'incarnation par les romanciers de leurs personnages, ce, ce que les historiens ne font pas. Les historiens sont dans la, dans la distance de leurs protagonistes mmh. ou de leurs personnages, entre guillemets. Ah, C'est peut-être ce qui fait la différence entre historien et, et romancier. Bon, non, vous avez sans doute raison. Moi, je ne pense pas. Je pense que, je pense que le roman est plus proche du rêve, et dans ce cas-là, il est dans le faux et le mensonge totalement et que l'historien, en effet, peut défalsifier le faux. Il ne peut pas forcément atteindre une vérité, mais il peut en retirer énormément d'erreurs. Il peut en approcher. Ouais. Et oui. Tout ce qu'il peut faire. Mais je ne crois pas non plus qu'il y ait une grande vérité derrière tout ça, non. Ni une grande, ni une grande identité derrière personne, chacun d'entre nous. <laughs> Alors, l'identité, justement, il n'y en a pas du tout chez votre personnage, car il se réveille donc amnésique. Euh, quel est le, le, le mot français pour ce que les Anglais appellent shell shock L'obusite, un mot affreux. Les, on a multiplié les mots affreux en français. Euh, les Anglais, ils ont des mots plus précis, plus imagés, plus concrets à la fois. Vous commencez quand même, pardonnez-moi, un roman formidable en français par une critique de la langue française hein, sur <laughs> euh, 16 pages. Non, pourquoi Bah oui. Non, non, mais c'est vrai que le shell shock est un mot plus plus, plus, plus ajusté, plus précis. Mais j'ai voulu d'ailleurs raconter cette période où la psychiatrie était, euh, nous paraît aujourd'hui préhistorique, brutale, violente. On utilisait donc euh, pour traiter les gens qui avaient ces, ces, ces traumatismes psychologiques ou nerveux, donc qui n'avaient pas perdu un bras, une jambe ou la moitié du visage, et qu'on considérait spontanément comme des simulateurs parce qu'on avait besoin de renvoyer le maximum de, 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 de chair humaine au front euh, et donc on, on les traitait de façon brutale les euh, avec des électrochocs avec des lavements avec des les électrochocs c'était quelque chose d'abominable et une des personnes que j'évoque dans ce roman un personnage réel euh, qui, a, qui, a, qui a mené ces électrochocs euh, ces traitements électrochocs pendant, pendant la guerre c'était gustave roussy et Gustave Roussy, c'est donc pour tout le monde euh, le, le fondateur de la cancérologie en France, donc un homme qui a une image de philanthrope. Et là, euh, on s'aperçoit qu'il tenait des propos sur l'utilité euh, bénéfique de ces, de ces traitements électrochocs euh, qui nous paraissent aujourd'hui euh, monstrueux. Alors, ça c'est le côté technique. Mmh. Mais euh, ce que j'aime bien, c'est que le romancier vient avec son rêve, dont parlait Pascal Quignard, il se réveille, il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Ah si, il y a un nom tout de même qui lui revient. Son femme. Non ah, le nom d'une femme, Une femme, femme Au des Une des Yvonne. C'est qui Yvonne Si je vous dis Yvonne en 1918, <laughs> tiens par exemple, Elisabeth Badinter. Yvonne. De Gaulle. De Galais. Et moi je dis De Gaulle. Qui est elle Yvonne <laughs> de Galais. Yvonne de Gaulle. Non, Yvonne de Galais, Yvonne de Gaulle. Voilà. Et, et Yvonne de Galais, donc tout le monde sait qui c'est, n'est-ce pas Bien sûr, mais le, mais, le, le <laughs> Grand non, mais le Grand Moulin. Yvonne de, de Galet, le Grand Moulin. En il y a un rapport de la guerre, de, de la guerre contre les Allemands, le 70. Ouais, non, quand même Yvonne, moi j'ai pleuré à la mort d'Yvonne de Gallet. Moi mmh, aussi, dans mmh. le Grand Moulin. C'est même, c'est la même... C'est-à-dire je... qu'en oui. fait, mon, mon, dans, dans le, le Grand Gatsby de... de... Mon... Mon personnage, en fait, ouais, ouais, un, il, ouais. il n'a gardé, gardé dans sa mémoire que des bribes de choses, et en particulier de connaissances. Donc il ne fait plus la distinction, il doit se réinventer lui-même. Il n'est ni français ni allemand, puisqu'il n'a plus, en fait, bon. plus de mémoire. Qui est-il On est quoi quand on n'a plus de mémoire On a commencé sur cette question de la mémoire. Mais encore quelqu'un, et c'est ce que je C'est tout l'enjeu de ce roman, en fait. On est encore quelqu'un, puisqu'il garde sa part de liberté, et il y, a une, il y a son identité profonde qui existe encore, et qu'il va redécouvrir progressivement. Ah, ce, ce alors, lui, attendez. Est-ce qu'il la redécouvre Est-ce qu'il la repère est-ce qu'il la réinvente Vous suggérez que pour la redécouvrir, il y a deux moyens. Je ne vais pas tout raconter. Hein. Il est donc espion, recruté, envoyé dans la division de fer qui, euh, dès 1919, hein, euh, la division de fer, qui joue un, un rôle un mort terrible allemand. en Allemagne. Il, non seulement il n'est ouais. plus personne, mais on lui donne l'identité d'un autre. Ouais, un officier, donc, un officier allemand, allemand mort à Verdun. Est, voilà. Voilà. Je passe sur les péripéties pour laisser du suspense <laughs> à nos euh, amis téléspectateurs et futurs lecteurs, mais je reviens quand même aux, aux, aux deux choses que vous suggérez pour recouvrer son identité. Un, la guerre. Aller au bout de la guerre. Mmh. Il y a parfois presque un éloge de la vie dangereuse, du retour à la guerre. C'est-à-dire ce qu'il a pas tellement de. À montrer. On lui propose, en fait, on lui propose ce, de, de rentrer dans ce, dans ce, de, ce jeu d'espion, de devenir un espion. Et en fait, il a le choix entre pourrir dans un asile psychiatrique ou euh, sortir et, et vivre cette vie d'aventure. Et il se dit qu'au fond, le peu qui lui est revenu, ce sont des souvenirs qui sont liés au choc de la guerre, de la guerre de 14. Donc il veut retrouver le choc. Donc il se dit que d'une certaine façon, au fond, autant, voilà, peut-être que en, se, en replongeant dans une autre guerre, qui est cette guerre dans la Baltique qu'on a beaucoup oublié, qui se passe en 19, euh, euh, donc euh, dans la 19, Baltique, euh, peut-être que quelque chose va lui revenir. Et effectivement, des, des, des bribes de, de sa mémoire euh, ressurgissent. Euh, – Deuxième possibilité, si ce n'est pas la guerre, écrivez-vous, et là, là, votre récit euh, roman décolle encore, c'est la mère. Mm. Sa mère, ou alors la femme qui veut bien passer pour sa mère, ou celle dont qu il veut bien croire que peut-être elle l'est celle qu'il a aimée et donc il va faire effectivement il va aller vers ce... il est en permanence en quête de cette mère dont il ne se souvient plus que par petit tout petit fragment et qu'il sa véritable mère qu'il ne... Qu ne retrouvera pas mais il faut Ah bah attendez <laughs> euh, il retrouve <laughs> autre chose quelqu'un d'autre autre chose Racontez pas. Non. Elisabeth Badinter, finalement, on y revient au pouvoir féminin, c'est-à-dire que cet homme, c'est un monde d'hommes que décrit Antoine Raux, euh, et puis en réalité, cet homme n'est lui-même que s'il retrouve sa mère, ce qui devient sa quête. Euh, oui, je ne parlerai pas d'analogie avec le pouvoir au féminin quand même. C'est de l'ordre, euh, moins du pouvoir, me semble-t-il, que de l'émotion, que, mm -hmm. que de l'amour, que de liens charnels, et qui sont euh, archaïques. Euh, je ne pense pas qu'on puisse faire une analogie non, 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 entre non, non, pas... euh, ce pouvoir de la mère euh, et, et le pouvoir euh, de Marie-Thérèse. Ce <laughs> n'est oui. pas, pas de l'ordre du pouvoir. Mm, voilà. mm, mm. Pour moi, c'est de l'ordre de l'émotion. Absolument, de... absolument. Alors, dans ce livre, il y a énormément de choses. Et il y a un truc qui, au début, en, en le lisant, je me suis, ça m'a un peu agacé. Page 409, je me suis dit, c'est une facilité dans laquelle tombent tous les romanciers. Qui fait la guerre en 1914-1918 Un petit autrichien qui est caporal, euh, ça. Je me suis dit, non, il ne va pas nous faire ça. Et puis, euh, en même temps, je lis le sublime livre de Tardy et je m'aperçois qu'il fait la même chose. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est moi qui me trompe. Peut-être faut-il, à chaque fois qu'on fera un roman sur la Première Guerre mondiale, rappeler qu'il y avait Alors... un petit caporal autrichien qu'un de vos personnages mmh. manque tué. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe aussi. Vous n'êtes pas parlé avec Jacques Tardy Ah non il y a ce moment hein, où euh, le personnage euh, de Tardy tient dans sa ligne de mire un homme euh, bah, qui pisse, qui compisse, comme dit euh, Stéphane Audigier, mais il ne va pas lui tirer dans le dos. Et cet homme s'appelle Adolf Hitler. C'est ça C'est quasi similaire. Le, le, plus 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 le plus sergent Tandé, oui. c'est une histoire vraie, ça, hein, le sergent C'est une histoire vraie Absolument. C'est pour ça que j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'au fond, l'histoire parfois tient à si peu de choses. C est, c est, tout peut changer à chaque instant. Ce sergent qui se flatte à la fin de la guerre, un sergent anglais, de n'avoir jamais abattu un homme en face à face quand il était en position de le tuer au pistolet ou au sabre, euh, et de, et tel, il est tellement héroïque, ce, ce, ce sergent Tenday, qu'il va même avoir une, une gravure oui. qui va être voilà, faite de… – Tout ça est vrai. Hein. – Tout ça est vrai. – Tous les personnages le secondaires sont Et vrais. cette gravure, en fait, euh, le, un jour, ce soldat, à la fin de la guerre, en 18, se trouve en face du caporal Hitler et ne lui tire pas dessus. Et on le sait parce que Hitler va faire acheter cette gravure qui célèbre une victoire de l'armée anglaise sur les allemands donc c'est un peu bizarre et que Chamberlain dans le nid d'aigle de Hitler va la voir dans le bureau de, de, du Führer il dit mais qu'est-ce que ça fait là chez vous et il dit bah c'est parce qu'en fait ça représente l'homme qui m'a sauvé la vie <laughs> – Tout à l'heure, je demandais à, à, à Pascal Quignard jusqu'où, euh, et à Elisabeth jusqu'où l'histoire pouvait aller du côté de la fiction. Nulle part, a répondu Elisabeth Valinter, mais vous, vous. Jusqu'où est-ce que euh, vous pensez, euh, vous deux d'ailleurs, Stéphane Odgui et Antoine Raud, qui utilisez la fiction, jusqu'où vous autorisez-vous euh, le pas de côté mais en fait, moi, je m'installe dans les interstices, ah, bah, voilà. vraiment, euh, mmh. dans ouais. entre deux, dans, dans des choses comme ça. Donc à partir Et puis moi, j'ai l'impression de ne pas faire de romans euh, historiques. Je fais des romans généalogiques. J'essaie de comprendre des, des jeunesses de problèmes. Donc c'est beaucoup plus. Euh, mmh. Oui, c'est dans, dans dans entre deux, dans les coulisses, dans les. C'est le frère ou c'est le ouais. double, mais c'est pas le c'est pas le c'est toujours le second. Antoine, en haut. Moi, c'est les hommes qui m'intéressent. En fait, c'était en empathie avec certains personnages. De toute façon, quand on raconte les coulisses, par exemple, de, de, du traité de Versailles, je ne sais pas ce qui s'y est dit. Donc, c'est justement parce que c'est dans cette ombre-là et qu'on ne sait pas et qu'il n'y a pas de vérité en histoire que c'est intéressant. Donc, il faut effectivement faire ce processus d'identification à un moment donné avec les, avec les autres, que ce soit des personnages imaginaires ou des personnages de, de, de réels. Je les traite de la même façon, par l'imagination. Alors, on va en dire davantage sur cette odyssée, cette quête de l'identité d'un personnage qui devient agent secret. Je me retiens. Hein. La danse des vivances, aux éditions Albin Michel, Antoine Ro Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, d'avoir échangé ensemble, partagé ces points de vue sur cette vérité absente de l'histoire. Emmanuel de Varesquiel, Stéphane Audguy, Antoine Ro Pascal Quignard et Elisabeth Badinter. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Le pouvoir au féminin d'Elisabeth Badinter vient de paraître aux éditions Flammarion, biographie et beaucoup plus de Marie-Thérèse d'Autriche. Je signale que vous préfacez. Euh, alors, un livre que j'ai reçu avant-hier, donc je n'ai pas eu le temps de le lire entier. Mais il a l'air formidable, présumé coupable. Ce sont les grands procès faits aux femmes. Euh, et il y a une belle exposition en ce moment euh, aux, Ar aux archives, Ar archives Ar nationales euh, à Paris. Oui, très fournie, très riche. Euh, et, et la préface est très bonne sur justement hein, les, les procès de l'imaginaire euh, dont vous parlez, Emmanuel de Varesquiel, dans Juger la Reine chez Talandier. Euh, les larmes » de Pascal Quignard, c'est aux éditions Grasset. L'histoire du Lion Personne de Stéphane Audeguy, c'est donc aux éditions du Seuil. La nouvelle bande dessinée. De Jacques Tardy et Dominique Grange, j'ai publié chez Casterman, et puis donc La danse des vivants aux éditions Albin Michel. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec notamment sur ce plateau François Tcheng, Frédéric Lenoir aussi. Euh, D'ici là, eh bien je vous souhaite de belles lectures, et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et pleuze. À la semaine prochaine, belle lecture.